What? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On est parti pour qui veut gagner des pastèques. Ce soir, 4 viewers et notamment streamers et amis des Lantiens vont s'affronter sur quelques questions à son propos. J'espère que vous êtes chaud. On va découvrir tout de suite les candidats de ce soir. Oh merde. J'ai vu le truc, c'est dégueu. Ah, c'est bon, moi je dors. C'est incroyable, moi j'ai perdu. C'est de merde. Oh mais tu t'es MC. Oh cette danse là, cette pirouette là, incroyable. Je peux pas pour l'instant, tu vas pas me faire chier, je peux pas. Elle a osé mettre ça. Et surtout les chansons quoi, c'était pas le meilleur moyen de... Non, c'est pas le meilleur reflet de ma personnalité. On t'entend pas chanter. Ah merde, on vous entend. Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Ok les gars, n'oubliez pas le code OnlyFans de Lancia et Lancia 27, adieu. Dans son roi, moulet côté. Sa mère pute. Oh là là, quel langage, quel langage celui-là. Non possible. Pardon. Et là ici, à ce qui paraît, tu peux mourir, mais je vois pas comment. Ah, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Doudou Agathe. Oh. Oh là. Ah oui, c'est triste ça. Voilà, je vais faire ça. Tu mens. J'arrive pas. Vous l'avez vu, 4 candidats d'exception ce soir. Dans la première équipe, l'équipe Team Myers. Il est trop fan d'Ashley et de ses pastèques dans Resident Evil 4. Il s'étire l'entrejambe quand c'est mou dans les vestiaires pour hommes. Voici Lord Valkyrio. Yes! Il est là! Le best! Il est là! En direct de Marseille, c'est moi! Oui! Oui! Je veux dire que t'avais un peu révisé, c'est vrai ou pas? C'est totalement faux. Je n'ai rien révisé du tout. Oh, totalement faux, non. D'accord. Mais je n'ai pas besoin de cela pour remporter ces pastèques qui me reviennent de droit à moi. Oh là là, il est confiant, il est confiant. Et Lanza, d'ailleurs, t'as fait un petit cadeau. La petite voix, c'est ta voix. Ah. Oh merde, oh non. Il faut, c'est l'entrejambe qu'il est mou. L'entrejambe qu'il est mou. Heureusement que l'entrejambe. L'entrejambe qu'il est mou. I'm sexy and I know it. C'est tiré quand il est mou. C'est un sujet dont on parle dans des vestiaires pour hommes. Ah. Ah là 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 là. C'est pour Max. Dans cette équipe, tu n'es pas tout seul, tu l'as compris, tu es accompagné d'un autre streamer. Il adore tuer et envoyer l'entière dans les jeux. C'est le créateur des émotes Pastèque Noob de France et de l'émote Myers Couteau qui bouge. C'est également le fondateur du code promo du OnlyFans. Allô Général. Ouais, salut à tous. Alors on est ensemble. Le partenaire. Vous êtes confiant. Si vous voulez. Ouais. Si tu veux des codes promo d'ailleurs, n'hésitez pas. Moi, je veux bien des réponses contre des codes promo. J'en ai plein à donner. J'en ai au moins 7. Ouh. Donc voilà. Au moins 7. Rappelle, juste moins combien de pourcents déjà, code promo? Ah, moins 50. On peut aller jusqu'au moins 50. Ah oui, moins 50 quand même. C'est une offre en or. Oh, il faut sauter dessus. Il est chaud. Et Lanza, d'ailleurs, une petite surprise pour toi également. Et voici la noob de France. Hey, tu veux rejoindre la communauté de Elantia sur OnlyFans? Pas dur, tu tapes Elantia adulte et bim, promo.
Rejoins la communauté de Elancia sur un iPhone pas dur qui tape Elancia adulte et bim. Dans l'équipe adverse, il y a également la team raclette. Le premier participant, il crie plus vite que son nombre. Il a perdu deux fois sur les défis de ne pas crier ou gage. Il nous a également offert à cette occasion un petit défilé en deux pyjama cœur et une petite danse baby char. Non, mais pourquoi ça? Oui, oui, West Side. Vive les cure raclettes. Ouais. Nul, nul. Bouh, bouh, bouh. Eh, un petit truc, il a perdu deux fois, comme on dit, jamais 203. Il a perdu deux fois au défi de cri. Je suis un gentleman. Ce soir sera la troisième fois. Je suis un gentleman, j'ai gagné la raclette. Mais là, c'est Plumbo qui est avec moi. Donc, normalement, ouais, je suis là, tu vois. Si t'es gentleman, tu devrais nous laisser gagner. Après, si ça, j'ai rien. C'est, voilà, ce sont tes principes à toi. J'ai les cheveux longs, ça compte pas. Et voilà. Et voilà. Nous, let's go. On y croit. En tout cas, comme tes opposants, ils ont ça, une petite surprise pour toi. Ah, je redoute déjà, je veux pas l'avoir, je regarde pas. Je ne vois pas, je suis devenu avec. Et sont... Tu dis ça, bah. Je vais Oh my god. Ah, c'est ça mes défaites. Voilà, toute crédibilité est perdue, ça y est, c'est fini. C'est fini. Attention avec ses claquettes. Ouh là là là, sexy boy. Oh my god. Et donc, pour affronter cette équipe, tu n'es pas seul, oui, tu le sais très bien. On a ramené une femme, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Elles se connaissent avec Elancia depuis YouTube. Elle a même gagné un concours Sims à l'époque où Elancia était encore timide. À l'époque où elle avait un balai dans le cul, je vous l'avoue. Elle parle. Elle est encore sur OF. Hein. Elle parle de ses pastucs avec plein de mystères. Et justement, elle a subi en live la choré de Britney Spears Wish avec Elancia, Mademoiselle Plumbo Blast. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Poupou. Vive la raclette! Voilà. Let's go. Vous l'avez compris, team raclette. Ce soir, il y a deux équipes. L'équipe Mayors Couteau qui bouge, l'équipe Curaclette. N'hésitez pas à dire pour qui vous pensez gagner ce soir dans le chat. Team Couteau qui bouge dans le chat. Team Couteau qui bouge dans le chat. Allez. On veut du couteau. Du couteau. Alors, ce soir, il y aura deux manches. La première manche est très simple. Vous allez vous affronter en équipe. Et la deuxième manche, vous allez vous affronter les gagnants en face à face tranquillement. En tout cas, ce soir, vous quatre, vous allez vous affronter sur des questions What the fuck de Elancia et des questions sérieuses. Et le gagnant repartira avec les fameuses pastèques qu'elle aime utiliser en plastique, ainsi qu'une carte Steam d'une valeur de 20 euros. Voilà, c'est cadeau. Et une magnifique dédicace de votre présentateur favori. Oh ouais, rien que pour ça, faut gagner. Wow. Ouais, rien que pour ça, on le prend en direct. Hein. La avec la photo et tout, les sourcils et tout, hein, la totale. Ah, moi, je veux que ça soit dédicacé. Hein. Dans cette première manche, les deux équipes vont s'affronter à tour de rôle en répondant à des questions. Vous allez avoir à disposition chaque équipe deux jokers, le vote du chat, ainsi que l'appel Discord à un ami. Hormis Elancia et moi-même, bien entendu, car on a répondu à toutes les questions. Tout créé. Chaque bonne réponse va vous rapporter 5 points, chaque mauvaise va vous retirer 5 points également. L'équipe avec le plus de points passe en manche 2, et l'équipe avec le moins de points sera hélas éliminée, et retournera dans le panthéon de la honte parce qu'elle a perdu, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à passer à la première manche? Non. Allez. J'ai pas compris la question. Je suis prêt. J'ai pas compris les explications. Le monsieur te dit, est-ce que tu es prêt? Non. C'est On va donc passer à la première manche. Équipe Myers, préparez-vous. T'es prêt? Un peu de suspense. Ouais, je suis prêt, partenaire. Oh, ils ont des emotes et tout, c'est trop bien. Oh, c'est incroyable. Oh, fuck. Quelle production, c'est fou.
Ouais, quelle production Made in France. C'est parti. Que fait-on aujourd'hui sur cette chaîne ? Oh, c'est difficile. Réponse A, les 2 ans de la chaîne et son anniversaire. Réponse B, le OnlyFans de Elantia. Réponse C, les frites. Réponse D, rien, on se fait chier. Oh là là, quelle question, merde. Moi, est-ce que tu sais pas, alors bah, moi, j'hésite quand même entre la A, la B, la C et la D. J'hésite quand même entre, entre ceux-là, tu vois. C'est, ouais, c'est compliqué. La B, par contre, j'ai l'impression que... ce serait pas la B par hasard ? Non ? Non, pour moi, c'est trop simple. Pour moi, c'est trop simple. Ah ouais, c'est trop simple ? Ah ouais, pour moi, c'est trop simple. Je pense que, soit les frites, soit c'est les frites, soit c'est les 2 ans de la chaîne de son anniversaire. Je suis pas sûr. Ah ouais. Effectivement, si vous avez vraiment du doute, n'oubliez pas que vous avez le droit à 2 jokers. N'hésitez pas à les utiliser en cas de besoin. On a le droit à 2 jokers. Arrête de nous corrompre, toi ! Bon. Dites-moi tout. Entre la A et la C, je pense que on va dire la A. Ouais, je pense qu'on peut dire la A. Allez, au hasard. Est-ce que tu valides ? Est-ce votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. Dernier mot. Jean-Pierre. Jackie. Que fait-on aujourd'hui sur cette chaîne ? Vous avez répondu les 2 ans de la chaîne ainsi que son anniversaire. Et c'était une bonne réponse. Félicitations à vous. Vous remportez vos 5 premiers points. Bravo. 5 points. Nous allons passer à l'équipe adverse, l'équipe Team Raclette. Équipe Team Raclette, est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! C'est parti. Question numéro 1 pour vous. Que faisait Elantia avant Twitch ? A. Elle faisait des vidéos Sims sur YouTube. Réponse B. Elle était déjà sur OnlyFans, d'où le code promo. Réponse C, elle faisait des vidéos make-up sur YouTube. Et réponse D, elle faisait de l'ASMR raclette sur Imvu. Moi, personnellement, j'ai vraiment tout acheté sur Elantia. Donc, je suis quasiment sûr que c'est la réponse. Hein. J'ai vraiment étudié, je suis à fond dessus là, ça y est. J'ai tout sa biographie de quand elle est née, où elle a grandi, où elle travaille en ce moment. J'ai stalking power, tu vois. Après, je pense que c'est... Moi, j'aurais une petite hésitation sur la B quand même, parce que bon, tu vois, on en parle la beaucoup. La B, en plus, c'est vrai qu'Alo, en plus, il en a parlé tout à l'heure, il a des codes pro, donc c'est pas faux. Et ouais. Et qu'il y a un truc là-dedans. Il y a un truc là-dedans avec la B. Franchement, entre l'A et B, ça se joue 50-50, je pense. Ouais, je pense aussi, mais après, vu que ça a été ta première intuition, bon, ben, je me dis, ça doit être ça, je te fais confiance, tu vois. Ouais, la première impression est la bonne, tu vois. Ouais, je pense, oui. Ouais, la A, elle est pas mal, je sens que la A est bien. Je suis d'accord. Vous confirmez la réponse A, du coup ? Oui. Ouais, vas-y, Jackie. Alors, ce soir, chez Jean-Max, s'il vous plaît, un peu de respect. Elle faisait des vidéos Sims sur YouTube, c'est votre réponse à que faisait Elantia avant Twitch. Et là également, c'est une bonne réponse. Félicitations à vous. Vous remportez là également vos 5 premiers points. 5 puntos. Félicitations à vous. 5 puntos qui vont directement dans la poche. Tim Mayer, je reviens vers vous pour la deuxième question. C'est quoi la question ? La voici. Qui est la coach traître d'Elantia ? Ah, attendez. Vas-y, devine la réponse. Réponse A, Max. Réponse B, Simet. Réponse C, Kurama. Réponse D, Sholm. C'est qui Sholm ? Qui est Sholm ? J'ai cru que ça allait marcher, c'est qu'il allait balancer la réponse, mais non ! Bah tu vois, Sholm, c'est le traître, voyons ! Oh, ah mince ! Si tu le connais pas, c'est le traître, hein, je pense. Ah. Là, y a peut-être moyen. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Vas-y, là-dessus, je te suis à 100%. On t'entend plus, Lord. Lord, lève ton micro, Lord. Je parlais dans le vent depuis tout à l'heure ! Bref. Oui, c'est un agréable moment d'ailleurs. Ça faisait du bien aux oreilles. Tu vois, indirectement, il vient de nous donner un indice avec ce qu'il a dit. C'était un commentaire de traître, tu vois. Ouais. Donc, voilà, je disais en fait tout à l'heure que parmi les choix, je détecte plusieurs traîtres. Donc, je sais pas. T'en penses quoi, toi, Allo ?
Moi, je te suis à 100%. Hein. Moi, ah ouais, moi, je dirais que y a... ah, ça se trouve, il n'y a même pas la bonne réponse. Ouais. Mmh. Oh là là là. J'hésite entre la A et la C. J'hésite entre la A et la C. Mais ouais, on va tout le temps choisir A ou C. Hein. Il y a ouais, pas moyen. Hein. J'ai bien l'impression, ouais. Ils ont tout mis dans ces deux réponses-là. Ah mince. Il n'y a que deux réponses possibles, en fait. Hein. On n'avait pas les moyens bon, de faire plus. Allez. Lord, tu dirais quoi, toi? Pour changer, comme on a dit A précédemment, je vais dire C. Tu dis C? Allez, ouais, vas-y, moi je te suis sur la C, je pense. Allez, c'est parti, la C. Pour vous, le coach et la traître d'Elantia, c'est Kurama. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Est-ce bon, que bah, c'est je... ça? Est-ce que c'est Kurama le traître? Crache le morceau! C'est Kurama, le traître de Elantia, ainsi que son coach. Forcément, forcément. Quand tu aimes Ada, tu peux qu'être un traître. Oh, la violence, n'est pas fort! Ça tire à balles réelles. On va rejoindre les adversaires, la team raclette. Team raclette, nous revoilà pour la deuxième question. Quelle est la danse qu'a le plus fait Elantia sur sa chaîne? Les questions arrivent, hein. Ils arrivent avec la fibre. Voilà. Réponse A, la danse couteau. Réponse B, la danse macarena. La réponse C, la danse pastèque. Ou D, aucune. Elle danse comme Stéphane Hawkins. Et moi, pour, franchement, pour l'avoir vu danser chez moi, c'était pas terrible. Hein. Donc, je suis même tenté par la D déjà. Alors, le niveau de danse de Ella, pas ouf. Hein. Moi, j'aurais pas dit ça parce que, quand même, elle a fait une prestation exceptionnelle sur Britney Spears. Faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est relève vrai, le niveau du coup. Avec. Mais du coup, la réponse n'est pas dedans. Du coup, ça complique. Voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est. Bon, bah, ok, bon, trop du simple. Coup, là, ok, j'avoue. Il y aurait Britney Spears, ça aurait été directement celle-là. Mais bon, c'est vrai, du coup, Britney Spears, elle était pas si mauvaise. Bon, j'ai oublié l'épisode à la maison, elle devait être malade, je pense. Trop de raclette, elle a pas du ça doit être ça, effectivement. Elle a pas du c'est bien ça. Bouger. C'était compliqué, tu vois, Jason. Qu'est-ce que t'en penses après sur le reste? Moi, bah, tout à l'heure, j'ai remarqué, depuis c'est que la A ou la C. Moi, du coup, je propose d'éliminer la B directement, pas de voilà quoi. Oui, déjà, je suis d'accord. Et puis, c'est trop classique, tu vois, la Macarena, bah, bon, tout le monde le fait. Pas fan, bon. Pas fan. Et en plus, après, pour la A et la C, t'as une idée ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, si tu regardes le nom de l'émission, il y a peut-être un petit indice, non? Ouais, mais en plus, moi, j'aime pas trop, tu sais, les. La team couteau, je suis pas très fan. J'allais dire en plus ça. Ouais, tu vois, en plus. C'est vrai. Je cherche la guerre. C'est tout à fait vrai. Donc, en plus, l'émission, ouais, voilà, la pastèque. Je crois que même qu'elle a même un cosplay de Wake, donc c'est parfait, je pense. Oui, que, tout à fait. La réponse C, c'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi je pense que la C, elle a aussi un cosplay de. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'elle a un petit couteau qui bouge. Aussi, oui. Aussi. Mais non, mais j'aime pas la team couteau, bah, je vais pas choisir là. C'est... pas fan, hein, franchement pas fan, hein, pas ouf. Bah... En tout cas, je vous écoute pour votre réponse. Je les sens pas. Vous on va valider quelle réponse? Ouais, on part sur la C. Ouais. La réponse C. Pour vous, elle a dansé la danse pastèque le plus sur sa chaîne Twitch. Et là encore, c'est une bonne réponse. Félicitations. Let's go. On leur met la pression maintenant, c'est bon. Yes. Ah, ils ont peur là, ils tremblent là, comme ça. Là. Ah oui, non, mais là, c'est cool. On va te poignarder, tu vas voir. On rejoint la team Mayer. Acredite se quiser, eu sou a mulher coitada, faço tudo que ele quer. Ah, je connais la réponse de celle-là, quel traître! Question numéro 3. Quelle est la chanson inventée par Elantia, symbole de la chaîne sortie en janvier 2022? Réponse A, DJ Cucu, la Noobo de France. Réponse B, DJ Elantia, vive la raclette. Réponse C, DJ Valk, quand c'est mou. Ou réponse D, DJ Oui Oui, Baby Char. On n'a rien fait, on est gentils et tout, on n'a rien tenté. Déjà, il y a un truc qui va pas, DJ Elantia, quoi, déjà. Plus on avance, plus c'est simple, hein. Ouais, donc comme vient de le dire mon partenaire, allô, la B, on va l'éliminer d'entrée de jeu. Alors, waouh, Didi, oui, Baby Shark, je suis mort.
Ah, ouais, oh moi, là j'ai bien la série aussi. Hein. Ouais. Ouais. C'est quand même bien compliqué. Hein. Il y a pas que moi, fais gaffe quand même. Alors, qu'est-ce que tu penses, Lord? Alors, quel est ton choix préféré? Alors, je sais que je suis un homme de plusieurs talents. Que je suis notamment que je suis très doué avec mes doigts. Hein? Ouais? Mais je ne suis pas un DJ. Donc, on va éliminer la C. On va éliminer la C. Alors, entre la A et la D. Lève tes mains, tire pas sur l'entrejambe. Ah non, c'est que... C'est pas ça le besoin, c'est pas ça le besoin. C'est pas moi, je fais rien. Alors, je partirais plutôt sur la A. Sur la A que, ouais. Didi, oui, je sais pas, hein, je... Non. Team Curaclette, je le vois pas. Je suis un mélomane pourtant. Ouais. T'en penses quoi, toi, Allo? Quelle réponse? Ah ouais, Baby Shark, DJ Oui Oui. Ouais, c'est... Y'a rien qui va dans la phrase. Ouais, c'est zéro, hein, c'est zéro. C'est comme si qu'on mettait un bébé dans une poubelle ou une poubelle dans un bébé, tu vois, c'est. Rien qui va, rien qui va là-dedans. Ouais. Donc. Quelle est votre réponse, mes amis? Nous partirons sur la A. Ouais, la A. La réponse. On valide! On valide, Jean-Pierre! Jackie! Est-ce qu'il s'agit de votre dernier mot? C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. À la réponse à la question, quelle est la chanson inventée par Elantia, symbole de la chaîne sortie en janvier 2022? Vous avez décidé de sélectionner la réponse A, DJ Cucu, la Noob de France. On m'a demandé de mettre les mains en évidence, donc... Gris. J'espère que c'est la bonne réponse, ça vous permettrait peut-être de prendre... Crash la question, crash. C'est effectivement une bonne réponse. Vous récupérez donc 5 points supplémentaires. Oh, oui. On est à combien? 15, je crois. Ah, j'ai joué ça au fur et à mesure. Question, 5 points. D'ailleurs, à propos de cette petite danse, il faut savoir qu'il y a un clip qui est notamment prévu, qui devrait arriver d'ici quelques siècles. Et petit extrait. Wow. Et voici la Noob de France. La Noob de France. La Noob de France. Adorable. La Noob de France. La Noob de France. Adorable. Et voilà. Adorable. Bientôt, le bon clip qui arrive tout doucement. Bon son. Ouais. J'ai entendu dire qu'il a commencé à sortir dans les boîtes de nuit. Ah non, mais j'ai vu sur Spotify l'autre fois, en plus, dans le top 5. Pas mal. Top 5, effectivement. Juste en dessous de Lorenzo. Lorenzo. On retrouve du coup le DJ Oui Oui Baby Shark. Quoi? Dis ça Baby Shark, je sais pas. Prochaine question pour vous. Question numéro 3. Qui est le crush et symbole de la chaîne d'Elantia? Réponse A, Michael Myers. Réponse B, Ghostface. Réponse C, Léon. Réponse D, Michel Forever. Michel Forever. Incroyable, ça. Bon, je sais que ça va t'ennuyer. On va parler de Toutou, là. Je sais, mais de toute façon, déjà, moi, j'élimine la B et la D, de façon de base. On part toujours sur la même règle, j'ai l'impression. Tout à fait. Ouais, sur la A et la C. Après, on peut jeter une pièce, je sais pas, mais... Après, Léon, il est pas mal, hein. Il est sexy, hein. C'est vrai. Elle est à chaque fois, elle crie « Léon !» Il y a un truc aussi. Elle a un petit crush dessus. Après, le symbole d'Achat et l'Ancien, je sais pas, j'ai quand même des emotes qui parlent pour elle-même. C'est compliqué de... J'aimerais bien dire à Léon et pas Myers, parce que j'aime pas Tim Couteau, mais... Voilà, on est d'accord. Mais là, je crois qu'on va peut-être pas avoir le choix. On est un peu bloqué, là. On va devoir voter pour Team Adverse. Enfin, voter Team Adverse. On va dans proche. La réponse A, là... C'est à contre-cœur, mais bon, ben, ouais. Quand il faut le faire, hein. À contre-cœur. Vraiment, on la prend parce que pour les 5 putos, quoi. Voilà. C'est vraiment à contre-cœur. Donc, pour vous, vous validez les réponses A, si je comprends bien. Oui. Vous vous basez donc, du coup, sur les émotes qui sont trouvables sur la chaîne. C'est vrai qu'elle parle souvent de Michael Myers. Elle parle aussi très souvent de Ghostface, qu'elle utilise très souvent dans Dead by Daylight. Elle parle également très souvent de Léon.
Oh, le suspect est incroyable. Et également beaucoup. Je suis là. Oh là là. De petites vidéos avec Michel Forever. Ouais, c'est vrai. Et ça, pourtant, c'est vrai. Vous avez choisi la réponse A de Michael Myers. Et vous avez bien fait parce que c'est une très bonne réponse. Là. C'était un super peu là. Oh là là, mais quel suspect. Non, mais tu nous fais une pression. Je ne sais plus là. Genre à chaque fois, je me dis, mais c'est vrai qu'il a fait ça. Oh, c'est incroyable. Ce... Effectivement, Myers a mis le plus de râteaux à Elantia sur ses jeux. IRL, je l'ai vu de mes propres yeux, elle a même été demandée à un gars en cosplay Michael Myers si il connaissait la danse couteau qui bouge. Spoiler alert, et ben le monsieur s'est sauvé en courant sans lui répondre. Waouh, c'est... C'est mérité, hein, c'est mérité. Comment vous mettez ces gens avec ce genre de choses? En tout cas, question suivante. Vidéo, qui... Max. Et oui, vidéo, extrait. Exactement, comme j'allais le dire. Et vidéo. Non, Myers 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 Oulala Myers Oulala Myers 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 Il m'a ignoré, il s'est barré. Il est là. Oui. Ah oui, je veux. Oui. Mais non. Mais oui. Nope. Mais non. Mais non. Il sait très bien c'est qui. Mais non. Mais moi. Non, qui dit, il t'a dit non. Mais non. Mais moi et moi. Non, ça marche pas. Mais moi. Et moi. Nope. Non, pas moi. Oh, il m'ignore, il s'en va. Le râteau. Je me suis pris un râteau. Je suis triste. Musique de tristesse, ouais, s'il vous plaît. Mettez une musique triste. Mais non, mais perds pas l'entière, reviens. Mais non, mais j'en ai marre. Il m'aime pas, il m'a ignoré. Myers, ah, après tout ce qu'on a vécu. Pourtant, c'est bizarre, il t'assoit pas droite sur... Oh. J'en ai marre. Mon crush depuis toujours. Et c'est Max qui me le vole. C'est moi. C'est moi. Myers a juste du goût. Je t'emmerde, Fred. Le respect est mort. Il en a marre de moi. Il veut que... La drague britannique. Ah, il arrive à l'autre porte. Attends, j'ai essayé la drague britannique. Montre-moi tes noix de cajou. Non, ça marche pas. On retrouve tout de suite l'équipe Myers pour la quatrième question. Êtes-vous prêt? Non. C'est parti. Je pense à pour un oui. Non. Comment s'intitule le Sims favori d'Elantia? Oh, attendez, il y a un petit peu. Ah, on a la réponse. Réponse A, Nancy Plenosas. Réponse B, Valéa Chiotte. Réponse C, Raclette à cul. Réponse D, Michael Myers. Et ne vous fiez pas aux couleurs, c'était la question précédente. Wow. On va te croire. C'est on va vraiment te croire. Alors. C'est quand même chaud là du coup, parce que s'il nous a induit en erreur. Ouais, je sais pas. Tous les cas, il nous met 5 points parce qu'il nous a induit en erreur. Tous les cas. Ah ouais, normalement c'est ça. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que je faisais partie des traîtres. Il ne faut pas l'oublier. Ah ouais, mais tu nous as induit en erreur. C'est bien ce qu'on dit. Ouais, voilà, exactement. On a toujours dit qu'il ne fallait pas faire croire, faire confiance à n'importe qui, monsieur. Qu'est-ce que tu dirais, moi? Moi, je dirais, je resterais sur la bonne idée, tu vois, Nancy Pléonaz. Nancy Pléonazas. Alors... Ouais, Pléonazas. Je sais pas. Pléonazme. Je sais pas si tu as vu un peu ces vidéos YouTube de Kenzo Sims. Quand elle avait 15 ans, non. Non. Non, ben, désolé. En fait, de ce que j'ai cru voir, moi, personnellement... Ouais. Elle déteste Nancy. Et chaque occasion qu'elle a de la croiser... Elle a vraiment révisé, le ouf. Non, j'ai pas révisé. Juste que j'étudie... j'étudie qui, éventuellement, est dans le Twitch game. Voilà, bref. Mais ouais, de ce que j'ai compris, elle tue chaque fois Nancy Plenosas. Donc, j'ai juste demandé un truc par rapport à la question. C'est favori ironique ou c'est vraiment favori?
le favori. Le favori, ok. Bon. Avec ça, il nous aide, hein. Franchement. Et je dirais même bravo. Plus, c'est le favori. C'est très clair pour moi, monsieur. Franchement, c'est bravo. Clair, bah, on va faire mieux. Alors, moi, personnellement, je vais éliminer la C et la, A. Je dirais entre la B et si la D. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours utiliser vos jokers. La B et la D. Entre la B et la D. Ouais, entre la B et la D. Ouais, entre la B et la D, je dirais. Je n'ai pas vu de Sims Michael Myers. C'est une question piège en fait. On sait tous qu'elle a un crush sur Michael Myers, mais ouais, je n'ai pas vu le Sims en question. Donc, bah, elle est à chaud par contre, j'ai pu le rencontrer. Et c'est un BG d'ailleurs. Elle a même un gosse avec Balé à chaud. Donc, c'est dire. Je dirais Balé à chaud. Réponse là, moi, là, je pense que tu tiens le bon truc. Ouais, moi, je suis littéralement l'ordre. Non, franchement. Franchement. Et si c'est Nancy plein aux as, là j'en ai rien à foutre. franchement, je te déteste. Tu iras mourir en enfer. Y a pas de paradis pour ces gens-là. Hein. Je te jure, y a pas de paradis. Hein. Alors, vous validez la réponse B si j'ai bien compris? Oui, Jackie. Validons la réponse B. Pour vous, le Sims favori d'Elancia. C'est Valé à chiottes. Et c'est une bonne réponse. T'as vu? Il nous a trollé. Putain! C'était vrai. Et je n'ai pas révisé. Et effectivement, comme Lord est en train de dire, Nancy est le Sims détesté par Elancia. Elle l'a tué de toutes les façons possibles dans une vidéo sur YouTube. Et Balé était toujours le symbole de la chaîne. Elle a d'ailleurs fait une vidéo 24 heures IRL en Balé à chiottes. Je l'ai pas vu celui-là par contre. Ah non, on l'a pas vu celui-là. Assez particulier. Même sur OF, il y est pas. Extrait. Et du coup, extrait. Oh. Ah, brillante, mais brillante idée de reproduire le look de mon Sims Balé à chiottes. Donc, du coup, je vais reproduire son maquillage et sa tenue, ses cheveux, tout. Je vais tout faire. Admirez mon magnifique Sims Balé à chiottes. Ah, ah ouais. Je suis restée comme ça, je sais pas combien de temps, à parler à ma litière. Ah bah c'est sûr qu'elle sent bon, hein, putain. Non, Myers, ah, Myers. Oups. Elle diffuse les extraits. Oupsi. C'est tout. Voilà, vous avez donc eu la bonne réponse, vous récupérez de vos 5 points. On va faire un petit point sur les points d'ailleurs, à la prochaine question. En tout cas, on retrouve l'équipe Raclette pour la question suivante. Équipe Myers, êtes-vous prêt pour la quatrième question? Oh oui, là, il est chaud, là. Il commence à le montrer. Tu dois, ça ne rigole plus. C'est parti pour la quatrième question. De quel Jelly Belly Elancia dit, je cite, « C'est pas bon, mais ça se mange. » Réponse A, vomi. Réponse B, poussière. Réponse C, crotte de nez. Ou réponse D, dentifrice. Tu le sais, toi, Plombo, ou pas? Le doute. Non. En vrai, vous êtes nul. pour moi, c'est crotte de nez, en vrai. Je pense. Alors, moi, je dirais par élimination, c'est sûr, c'est pas vomi. Parce que j'allais manger pour mon anniversaire, j'ai dit ça va, et elle m'a dit quoi, comment? Franchement, je vois pas de quoi tu parles, moi j'ai adoré, moi j'allais manger, c'était incroyable. C'était le sixième sens, vraiment, c'était... Dentifrice, ça existe pas, je crois, en plus, tu sais. J'avoue que j'en ai jamais acheté, j'avoue que lors du coup... Non, je crois qu'il est pas fait, si jamais ça existe ou pas, dentifrice. Mais... Ça existe, dentifrice. T'existes? Non mais regarde, il est en mode poker, je crois pas. Regarde-le, il a les lunettes de poker. Non! Il pourrait dire tout n'importe quoi là. Vraiment, ça existe. On veut aussi qu'il ait une mauvaise réponse comme nous tout à l'heure. Nous aussi. Non, franchement, j'ai le paquet chez moi, j'ai pas d'antifreeze dans le paquet, donc je pense pas. Il y a plusieurs paquets en fait. Oh, mais écoute. Après, il y a des paquets piquants, il y a des paquets surprises et tout. Il y a plein de paquets. C'est vrai en plus, et oui. Il y a piquant, il y a tout.
je pense qu'à mon avis, elle a pris le basique. Hein, le... Et je pense qu'en effet, l'antifrice, il n'est pas dans le basique. Enfin, dans le... C'est dans le tâche ménagère qu'il y a le... L'antifrice ? Ouais. Ah ouais, c'est renseigné. Ah oui, il y a vraiment des coups de... Jelly Belly à fond, quoi. Ah, il y a une team Jelly Belly. Ils sont... ouais. Ouais, team Jelly Belly, ils sont vraiment... Ils connaissent tout, quoi. On m'annonce que Vak a d'ailleurs un tatouage de prévu dans le dos à l'effigie des Jelly Belly. Il adore. Il mange. Lui, c'est tout est bon, tout se mange. C'est pas la même phrase. Tout est bon, tout se mange. Non, en vrai, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, la scène me paraît pas mal. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ça, je pense. Ouais. Vous j'ai pas de certitude, mais si tu sens ça, je pense que... J'ai pas de certitude, mais de mémoire, je crois que j'en avais entendu dire sur celui-là. Ouais. Si effectivement vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser les jokers. Les jokers sont là pour ça. Il veut nous faire utiliser les jokers, je le sens. Oui. Non, mais là, ça c'est la magouille, ça. Je sens que vous avez un petit doute. Moi, je suis là avant tout pour être impartial et pour vous aider. Oui. Ouais. C'est ça, impartial. Ouais, doute. Qu'est-ce que t'en penses, Plumbo? Franchement, j'irai te faire confiance parce que j'ai pas du tout de certitude et c'est vrai que par élimination. Non. Ok, ben moi, je par élimination, j'irai déjà. Ah là là, il tremble, le curaclette. Ouais, ouais, c'est ça. On va les poignarder, Lord. Le Pétou qui tremble, le Pétou. On valide ? Ben ouais, je pense, ouais, à mon avis. Bah, je te suis. Du coup, allez, vous validez. La réponse crotte de nez à cette question. Et l'ancien a dit, c'est pas bon mais ça se mange à propos du Jelly Belly crotte de nez. J'adore. refais-le. Ils ont bougé mais ils ont fait... À la réponse, c'est pas bon mais ça se mange. C'est effectivement le crotte de nez, ou Jelly Belly crotte de nez. Bon. Ok. Quelle connaissance, bravo. Bravo. On a d'ailleurs un petit extrait à ce propos. I got it. Oh non, faut voler. Non. Elle vole jamais, de toute façon. Oh. C'est dégueu. Et le dernier. Ah ouais, c'était vomi. Une crotte de nez, vomi. Ah, très bien. Mais crotte de nez, ça va, ça se mange. Mais après, non. Ah, ok, ouais, d'accord. Nous revoilà. Et nous allons rejoindre l'équipe Myers pour la cinquième question. Ah là là. On note que j'étais pas présent à cette époque, donc elle a pas pu avaler. Effectivement. Effectivement. C'est ce qu'on appelle la double dose. Question numéro 5 pour l'équipe Myers. Quel est le premier jeu qu'Elantia a fait en stream sur Twitch ? Réponse A, Phasmophobia. Réponse B, Dead by Daylight. Réponse C, les Sims. Et réponse D, Adibou. T'en as pas des plus durs encore ? C'est pas possible ? Quel est le prénom de ta mère ? Bien sûr. Oh là 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 là. Quel est le prénom de ta mère ? Toi, tu t'appelles Jacqueline, donc je dirais Jacqueline. C'est une bonne réponse. Oh, bravo. Question suivante. Allez, hop, c'est ça. Allez, hop, c'est parti. T'es de merde. Waouh. Ah non, celle-là, elle est vraiment dure, là, par contre. Et c'est nous qu'on a les plus durs, là, entre celle de tout à l'heure et celle-là. C'est quoi, cette histoire ? Oh. Elle était facile, crotte de nez, elle fait pas genre Winnie. Oui, fin, l'autre d'avant était facile aussi, hein, celle que vous avez eue. Ah ouais, je pense que non. Pour moi, mais c'est ah oui, parce que toi tu l'as connu depuis l'époque Sims, mais voilà, nous, voilà. Moi, crotte de nez, c'était simple, c'est moi qui ai clippé, donc... Ah bah voilà, tu vois. Voilà. Ah là, c'est quand même chaud, là. Moi, je dirais quand même, j'hésite entre Phasmophobia ou Day by Daylight. Ouais, aussi pareil. J'hésite quand même entre ces deux-là. Hmm. Alors, est-ce que vous voulez pas utiliser un joker pour être arrête sûr de votre joker, toi. Ouh là 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 là. Ah là, c'est chaud là. Franchement, là, je sais pas.
Là, franchement. Est-ce que vous voulez utiliser un joker? Le vote du chat, l'appel à un ami. Plein de possibilités. Ça serait dommage. On est l'équipe couteau, on va se faire poignarder. Hein. On est l'équipe couteau, on va se faire poignarder. Oh putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu dirais? Moi je dirais. Je dirais Day by Daylight, mais j'hésite vraiment entre Phasmophobia et Day by Daylight. Mais pour moi c'est Day. Je veux pas se d'après ce que j'ai cru comprendre, tu étais le premier à l'avoir raid quand il est arrivé sur Twitch. Ouais, ouais, mais c'est ça qui peut me poser un doute. C'est parce que je l'avais vu quelques temps avant sur Phasmophobia, mais ouais. Je sais pas si c'est son tout premier live. Le premier jeu qu'il en tient a fait en stream sur Twitch, pour moi ça serait Phasmophobia. Mais après je peux me tromper. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, ce serait dommage de se tromper maintenant sans avoir utilisé de joker, hein. Je pense que ouais, franchement. Ça serait vraiment dommage. Ah purée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse joker? Bah si t'es pas sûr, on utilise un joker, hein, vas-y. Vas-y, on utilise un joker dans ce cas-là. Quel joker on utilise maintenant? Vous avez le choix entre le vote du chat Twitch ou d'appeler au hasard un ami. Il aura alors 1 minute 30 pour venir dans le vocal et pour alors répondre à la question. Alors, je dirais appeler un ami. Vous voulez décider d'appeler un ami? D'accord, allô? Allez. Ça marche, moi ça me va. Je vais commencer un décompte et vous allez devoir invoquer cet ami. Et on attendra qu'il arrive. Attends. Il se décide déjà, oui. Décidez-vous. On appelle qui d'abord, allô? Qui t'as comme contact, toi? C'est quelqu'un. Moi j'en ai un, mais elle voudra pas me répondre. Je sais que Simette, elle était là depuis l'époque. Je sais que... Qui d'autre est dispo? Cucu, mais je veux pas l'appeler parce que c'est un traître. C'est vrai. Qui d'autre? Pierre aussi, il était là depuis le début, il me semble. Les parents d'Elantia étaient là depuis le début aussi. Ouais, effectivement, oui, oui. Ouais, mais eux, ils sont là depuis vraiment un peu trop loin, du coup. On va pas remonter aussi loin. Ouais. Ça s'est passé comment l'accouchement? Non, c'est pas la réponse. Non, on veut pas les photos de famille. Allez, je dirais Pierre. Ok, Pierre Dash, si tu nous entends, nous t'invoquons. J'espère qu'il va pas faire le... J'espère qu'il arrivera dans les temps. Personne la plus rapide, on s'en rappelle. Allô? Oh! Allô? Pierre qui répond? Bonsoir, oui. Pierre! Oui, bonjour, c'est qui? C'est Jean-Max Foucault à l'appareil. Nous sommes en direct sur Twitch, oui. La chaîne de Elantia 27. D'accord. Je suis en compagnie de Lord Valkyrion et de Allo Général. Ils ont une question pour vous et je laisse Lord Valkyrion vous la poser. Oui, j'écoute. Alors, quel est le premier jeu qu'Elantia a fait en stream sur Twitch? Réponse A, Phasmo. Réponse B, Dead by Daylight. Bon, les deux autres réponses, on s'en fout. C'est entre les deux que je t'ai raconté là. Ah. Donc entre eux, Phasmophobia, Dead by Daylight. J'ai une petite intuition pour un petit DBD. DBD? Une petite intuition dont tu n'es pas sûr? Oh, faut être sûr, hein, quand même. Faut être sûr, appeler pour être sûr, là. Je pense que ça peut être le plus proche. Hein. Oh, merde. 5, 4, 3, oh merde, 2. Oh, merde. Vous penserez à ma liste de courses à la fin, hein. Une bonne réponse, s'il vous plaît, monsieur Berdache. Merde. Merci, mais ça c'est quoi? Nous avons rien dit. Putain. Ah, plus non, jamais Pierre. Allô général, je vais vous demander une réponse. Putain de merde. C'est pas possible. Vas-y, réponse réponse B du coup. Vas-y, on va suivre ce que Pierre disait. Si c'est Phasmo, j'ai la haine.
Et si c'est faux, il mérite plus d'être d'être modérateur, voilà. Ouais, je tiens à dire que normalement tu connais dans le jeu quand il y a la fin du décompte. Sortez-le moi de là celui-là. Pierre, au revoir. Putain de merde. Bon boy, Pierre. Bon boy. D'après vous, le premier jeu qu'Elantia a fait en stream sur Twitch. Ah, il nous a niqué, je sens. Oh, ça serait Dead by Daylight. C'est bien ça? Ouais, c'est notre dernier mot. Ouais. Ce qui est marrant dans tout bien. Ça, c'est qu'effectivement, Pierre est là depuis le début. Ce qui est encore plus drôle dans tout ça, c'est que mercredi, en off, nous avons fait une émission test avec les mêmes questions. Et il a réussi à faire une erreur. Putain! Putain, je me suis allé! Il est c'est bon, je me casse, allez, il est bon. Merci, au revoir. Il est sérieux, ce mec. Pierre, ne suis pas tous mes streams, désolé. Oh. J'ai nettoyé mon couteau, il y en a un de planté, c'est bon, hop. Adieu, Pierre. Vous n'en parlez donc pas, les 5 points, vous avez donc apporté une mauvaise réponse. On a votre cramé première un erreur. Planter. Vous avez cramé votre joker, vous n'avez pas les points. C'est un sans faute, hein, j'ai envie de vous dire. Attends, bouge pas, je vais en planter un autre. Nous allons passer à l'équipe suivante, l'équipe Curaclette. Équipe Raclette, vous avez l'opportunité de prendre une longueur d'avance. Vos opposants ont été nuls et ont fait confiance à la mauvaise personne. Je pense qu'on peut pas faire pire de toute façon. Hein, je peux vous mentir, c'est pas possible. On peut se trouver à plus beau. Là, je suis franchement à l'aise, là. Sans pression, tranquille. On a conquéré, ça peut pas faire pire, je pense. Question numéro 5 pour l'équipe Curaclette. Quel est le jeu narratif et préféré qu'Elantia a fait en direct sur Twitch? Réponse 1, Life is Strange 3. Réponse B, Detroit Become Human. Réponse C, Beyond Two Souls. Réponse D, Heavy Rain. Et moi, je Dani, vraiment, je... On peut procéder par élimination, peut-être. Et tu sais que moi, en plus, dans ma tête, je l'avais même pas joué aucun des jeux. Je crois que j'étais jamais là, en fait. Alors, il y en a un, elle en a parlé tout à l'heure, c'est Heavy Rain. Et qu'elle a pas fait ou qu'elle a fait? Qu'elle a fait. Ah, ok, ok. Donc déjà, celui-là, on sait qu'elle l'a fait. Je crois qu'il y en a deux que je connais même pas. Heavy Rain, ben je connais pas en fait d'ailleurs. Je savais pas que c'était un jeu narratif. Non, je le connais pas. Je savais pas si c'est un jeu narratif ou pas. Beyond Two Souls, un jeu narratif. C'est quoi un jeu narratif? C'est genre un jeu à choix en fait. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. C'est un jeu à choix. Detroit et Beyond Two Souls. Detroit, c'est un jeu à choix, mais Beyond Two Souls, c'est un. C'est pas petit le exemple où. Hadibou n'est pas un jeu narratif. Merci du. De l'illustration, je vois. L'exemple m'a beaucoup aidé. Là-dessus, là, j'ai arrêté. Phasmophobia non plus. Je crois que Phasmophobia, justement. Par contre, des BD, pas trop, quoi. Là, je vais pas remuer le couteau dans la plaie du couteau, mais. Non, mais t'inquiète pas, on va te l'enfoncer le couteau. Regarde ta porte, elle est ouverte derrière toi. Putain, merde, elle est vraiment ouverte en plus. C'est qu'elle est vraiment ouverte en plus. En vrai, j'ai. Ok, du coup, tu veux éliminer. T'as des idées? Alors, je dirais pas Life is Strange 3. Je sais même pas si elle l'a fait ou pas, mais je trouve qu'il est pas très bien. Il a pas été trop ouf ce jeu, donc ça m'étonnerait qu'elle ait pris ça. Moi, je sais que Detroit, c'est vraiment un très bon jeu par contre. Je sais même pas qu'elle ait fait. Je vois même pas la. Enfin, je me souviens pas qu'elle ait fait. Si, je crois que si, je me souviens plus. Je crois que si, en fait. J'en ai vu tellement des gens qui ont fait Detroit Become Human que j'ai un doute. Ouais. C'est ça le truc. Heavy Rain, ça me dit rien. Si réellement vous avez un doute. N'hésitez pas à utiliser un joker. Mais lui, il recommence. On veut pas faire aussi mal que les autres. Ok. Déjà, est-ce qu'on peut savoir déjà le nombre de questions qu'il va y avoir dans toute la soirée ou pas pour la première partie? Oui. Pardon, tu peux répéter ta question, je n'ai pas. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de questions qu'il va y avoir pendant la première partie? Pour savoir. Moi, j'ai arrondi à 900. Ah oui, 42 carrément. Ok, il m'a dit clairement, vraiment sans pression, 42 quoi. Ça va. Hein. Et demi. Ah, et demi. 42 et demi, pardon, tout pour moi. On n'a pas de certitude non plus, elle est vraiment dure celle-là, je trouve. Oui, elle est dure parce qu'en fait, au final, on a trois choix. Genre, ouais. Je pense vraiment Life is Strange, je pense que non. Et quand elle t'a dit, quand elle a parlé d'Heavy Rain tout à l'heure, tu penses qu'elle avait vraiment en mode péjoratif ou plutôt... Ah non,
Alors, c'était plutôt une anecdote rigolote, donc ça. Elle a pas forcément dit si c'était bien ou pas, tu vois. Ok, je vois, je vois. Moi, des trois, bien sûr. Tu es sûr que c'est ce jeu-là qu'elle parlait aussi? Ah, moi, je suis sûr que c'était de ça qu'elle parlait, oui. Quand t'as parlé de secouer la manette, oui. Ah, là, le mot secouer la manette, ça m'a. Ça, déjà, j'en fous. Ça sent bien l'ancien, je la reconnais bien là-dedans, là, déjà. Je vois. Non, je, honnêtement, pour moi, la B et la C me paraissent bien. Parce que déjà, ouais. les deux jeux sont très bien. Je crois l'avoir vu jouer sur la B, j'ai un doute. Et la C, je crois aussi même, d'ailleurs. C'est pour ça, en fait. En vrai, la C, je me dis... La C, il y a des moments où c'est dur, je trouve. Et, ouais. Et l'ancien, je sais que la tendance, quand c'est dur... ah, tu vois, genre un peu galéré, tu vois. Donc je me dis, c'est un peu galéré quand c'est dur. C'est pas son préféré, tu vois. Alors que Detroit Become Human, au pire des cas, moi, tu fais un mauvais choix, il meurt. C'est pas vraiment, genre, c'est pas grave, tu vois. Au moins, ça rajoute un truc, quoi. Après, ça reste l'ancien, hein. Ah, mais préféré, je me dis, si ça commence à... Si t'es bloqué, c'est, tu préfères pas, en fait. Tu passes pas si bon moment que ça, si tu te crois que tu peux, quoi. Surtout sur un jeu narratif. Pas que Elantia est capable de mourir dans le générique de début, hein. N'oubliez pas. Dans le tutoriel. Exactement. Voilà, on voit de qui on parle, du coup bien de tout seul. Mais moi, il y a des moments où vraiment faut que l'esprit, enfin voilà, je sais pas, mais doit faire des trucs où il y a un peu de mec. Enfin, c'est pas facile, je pense. Alors que les trucs comme Humet, je vois pas de trucs où tu peux bloquer vraiment. Et l'histoire est super bien, tu fais des choix vraiment cool, ça influe vraiment sur le jeu. Et je crois qu'elle l'a fait, ouais. Je crois qu'elle l'a fait. En tout cas, je vais vous demander de me donner une réponse. Est-ce que Détroit, juste, il est très récent ou pas? Parce que ça aussi, ça peut donner un indice. Détroit, non, il est pas récent. Pour moi, bien tout seul, et Détroit Become Human, c'est pas récent. Non. D'accord. Peut-être de moins deux ans facile. Ou 3 ans, même, je sais plus. 2-3 ans. Yes. Je sais que la Pinou, elle a Détroit Become Human sur PlayStation, et elle l'a depuis un moment. Ça fait un an qu'elle l'a, donc au moins un an. Ok. Je vous écoute pour votre réponse. Tu veux faire un joker ou pas? Bah, je suis pas sûr à 100%, je serais même limite à 40% sûr seulement. En fait, j'ai une préférence pour la B. C'est même pas une série, c'est une préférence juste. Ouais. Le Joker, c'est. Ouais, voilà quoi. Ah, peut-être pas l'appel, hein, moi je dirais si on prend le Joker. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, il y a beaucoup de gens peut-être qui l'ont vu faire le truc. Je sais pas. Après, le problème c'est que tous les gens qui sont pour la team couteau, ils vont induire en erreur. Ouais. C'est ça qui me fait peur aussi. Il n'y a pas de 50-50, il n'y a que deux des jokers. Il n'y a que deux jokers, c'est bien ça, oui. Ok. Là, même pas capable de mettre 50-50. C'est trop compliqué à configurer. Moi, comme tu veux, Plumbo. En vrai, moi, c'est soit la B, soit l'appel à un ami, je pense. Si tu as un ami à appeler qui pourrait le savoir, oui, on peut y aller, ouais. Oh bah, après, je pense qu'on va appeler, sûrement Sissi, hein, je pense. Parce que moi, j'avais à la base, j'avais Robin, mais... Je pense même pas qu'il peut se tromper. Enfin, je suis même pas sûr qu'il sache quel jeu narratif préféré, quoi. Parce que c'est vraiment. C'est bon, si Matt, elle a déjà participé au live, appelle Robin. Day by Daylight. J'irai pour ça, j'appellerai pas. Allez, décidez-vous. Invité en 10 secondes. Décidez-vous. Je vais pas le faire comme Val. 10. Moi, je suis pour appeler, si tu veux. Ok, bah vas-y alors. 7. Allez. 6. Qui souhaitez-vous appeler? 4. Sissi. 3. Et nous appelons Simen. Ah que coucou. Elle est rapide. Elle est tellement réactive. Elle peut qu'avoir raison. Simen. Nous sommes en direct sur Qui veut gagner des pastèques sur la chaîne de Elantia 27. Je suis en compagnie de Oui Side et de Plumbo Blast qui ont besoin de toi pour répondre à une question. D'accord. Plumbo, je te laisse poser la question. Quel est le jeu narratif et préféré qu'Elantia a fait en direct sur Twitch? Life is Strange 3, Detroit Become Human, Beyond Two Souls ou Heavy Rain? Je crois que c'est la D. Heureusement qu'on a appelé Sissi. Tu penses que c'est Heavy Rain? Je pense, oui. Je pense. Je crois. Je suis pas sûre. 9, 8, ça vient se passer, si ça vient se passer. 6. Merci. Je sors mon balai dans le cul. 3, bisous. 2, bisous. 1. Bisous. Bon boy. Alors, selon Simet, il s'agit de la réponse D. Est-ce que vous allez l'écouter ou est-ce que vous faites un autre choix? Je vous pose la question. Alors, du coup, pour moi, ça confirme le fait qu'elle en ait parlé tout à l'heure avec son anecdote et tout ça.
Ça me disait tellement rien, ce jeu, heureusement qu'on l'appelait. Heureusement. Il faut faire un choix très cher. Réponse D. Oui, on part sur la D, oui. Ouais, on a pris peu de temps. La réponse D. Confirme. Vous validez Heavy Rain. Et c'est une bonne réponse. Félicitations à vous. Merci. Non, ils ont même pas des poignardeurs, putain. Apparemment, il y a des préférences dans le chat. Je dis ça, je dis rien. Je le savais, moi. Tu savais, Romain, désolé. Je dis qu'en plus, j'allais lui MP pour lui demander en plus. On va faire un petit point sur les points, d'ailleurs. L'équipe Mayer, c'est actuellement à 20 points, tandis que l'équipe Puraclette est actuellement à 25 points, donc avec une légère avance. Et je vous annonce que nous sommes arrivés pile poil à la moitié de cette première manche. Nous repassons avec l'équipe Myers pour la sixième question. Question numéro 6, c'est parti. Quels sont les noms des chats d'Elantia, du plus grand au plus petit? Réponse C. Réponse A, Twix et Cookie. Réponse B, Cookie et Twix. Réponse C, Reese's et Twinkie. Réponse D, Twinkie et Reese's. Je vous écoute. Je peux répéter la question? Elle est bien celle-là. Oh là là. Elle est bien celle-là. Oh, t'aimes bien. Vas-y, réponds. On a les questions les plus difficiles, c'est trop. C'est du favoritisme. Ceci est honteux. On a les questions les plus difficiles. Non. Pour me justifier, j'ai mis cette question à vous parce que oui, le sait. C'est pour ça, en fait, à chaque fois, je fais... Ok, attends pour moi, ok. Ouais, wow, mais non, là, c'est pas non plus, c'est une réponse très facile, apparemment. Je sais. Nanana. Vous voulez m'appeler, peut-être? Ah, vous avez plus Joker, pardon, t'as pas moi. Désolé. Tu peux pas le faire non plus, l'appel. Regarde, derrière, il y a des lumières allumées chez toi. Regarde, on est en train de rentrer. Allez. Allez, hop, anne-moi. Alors, selon vous, quels sont les noms des chats d'Elantia? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc ce n'est pas la A, ce n'est pas la B, ça doit être entre la C et la D. Du plus grand au plus petit. Je dirais, le plus grand c'est Reese's, le petit c'est Twinkie. Donc la C. La réponse C? Attends, qu'est-ce que t'en penses, Allo? Je connais pas du tout, je peux pas te dire. Je connais même pas les noms des chats, donc j'ai pas vu ce live. Je dirais la C. La réponse C. Tu dirais la C, bah alors réponse. Moi je te suis. Ouais. Je te suis et si ça marche pas, je termine ma bière. Non, là pour le coup je suis serein. Pour le coup je suis serein, donc tu vas pas la terminer. C'est mon dernier mot, la C. La C, allez, c'est notre dernier mot. Reese's et Twinkie. Parce que selon vous, il s'agit de leur nom du plus grand au plus petit. Et il s'agit d'une bonne réponse. Putain ! Oh oui ! Oh oui ! Bien sûr. Vas-y, bien tu peux t'étirer l'entrejambe. Oh oui. On a d'ailleurs un petit extrait à vous proposer. Ah oui, pardon. Perruque de balai, mais non, t'es pas sérieuse. Ah, mon chat est là-haut. Putain de merde. Maltraitance animale, appelez la LPA si tu ne donnes pas les réponses. On retrouve l'équipe Myers, l'équipe Raclette, pour la question suivante également. Équipe Myers, équipe Curaclette, excusez-moi. Question numéro 6. Quel était le sujet malaisant abordé en stream avant qu'Elantia ne reçoive un raid d'un inconnu? Réponse A. Je connais la réponse. Le couteau qui bouge et les asperges. Réponse B. Avaler pour des subs. Réponse C. Montrer le cul raclette pour des subs. Ou réponse D. Faire des pompettes en twerkant comme gage. Moi, je pense que c'est pas la D déjà. Mais en vrai, je sais pas, Plumbo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, il y a le truc qui m'aurait sauté tout de suite aux yeux.
Oh, je sais pas trop, André. Non, André, je sais pas trop. J'avais une première intuition sur la B, mais elle est pas du tout fondée. Donc, c'est que moi, j'ai la même. Hein. J'ai clairement la même. Je vais pas te mentir. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. En plus, rien que le fait que Lord ait réagi aussi vite en mode je sais. Ouais. C'est lui l'origine de la vallée pour des subs. Waouh. Excuse-nous, Sherlock Holmes. Excuse-nous. Où est ma loupe là ? Où est-ce que. Où est mon. C'est moi qui l'ai. Rappelle tout à l'heure, Valkyrion savait aussi qui appeler pour avoir la bonne réponse. Non mais ça. Oh putain. Ça, bon. Ah, ça, on va remuer le couteau, hein. Voilà. Plus jamais, Pierre, plus jamais. Non. je pense vraiment, comme toi, que c'est la B. Ouais. Possible. Puis après, si tu fais aussi par élimination, le couteau qui bouge, ça s'explique. Donc c'est pas si gênant. Montrer le curaclette pour des subs, ça s'explique aussi avec les émotes et tout ça. Donc c'est pas si gênant non plus. Et la D, je suis d'accord avec toi, tout de suite je dirais pas ça. Moi non plus, je dirais pas ça. J'irais la B aussi. Ouais, si, si c'est notre première intuition, bon. Vous validez la réponse B ? Oui, on va valider, je sais qu'on. Ouais. Vous avez décidé de valider avaler pour les subs. Ah, pardon. Car selon vous, il y a d'autres façons d'expliquer, mais il ne faut pas oublier que c'est un inconnu qui débarque. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était On a d'ailleurs un petit extrait. Extrait vidéo. Ah, Max dit l'asperge, c'est mieux pour reset le goût. Bah le goût, voilà, je peux pas le dire, mais du couteau qui bouge. Le goût du couteau qui bouge. Non, personne comprend. Et l'ancien, vas-y, détaille, n'hésite pas, on t'écoute. Non, mais j'ai pas compris non plus. Ah, bonjour, qui est le bonjour, le règne. Coucou, bienvenue sur ce... Nous bon, passons à la question numéro 7 pour l'équipe Myers. Équipe Myers, question numéro 7. Dans quel jeu Elantia a-t-elle le plus paniqué sur Twitch en 2021 ? Réponse A, Resident Evil 8. Réponse B, Resident Evil 7. Réponse C, Outlast. Réponse D, The Dark Picture Little Hope. Wow. Comme vous pouvez le constater, on a monté d'un cran pour les questions. Waouh. Bon, en 2021, j'étais pas né sur Twitch, donc... Ah ouais. Allô, peut-être tu as une idée? Ah, j'ai une idée, mais je suis plus sûr du contexte, alors j'hésite entre deux. Et c'est salaud d'avoir mis les deux. Mais entre tout cela, qu'elle a paniqué le plus? Parce que moi, je sais qu'elle a paniqué dans beaucoup plus de jeux en 2021. Hein. Elle a paniqué dans beaucoup de jeux, mais dans lequel elle a le plus paniqué? Mais elle panique tout le temps, c'est difficile de juger, hein. J'avoue. Alors, n'hésitez pas à faire appel de vos jokers s'il le faut. Et toi, le receleur de jokers, tu vas te calmer. Joker, hein. Là, c'est quoi, là. Sinon, je t'assomme. Ah, tu veux du joker, vas-y, ouais, c'est bien, bien. Vas-y, donne le 50-50. Vas-y. Vas-y, on le passe en loose day. Tranquille. Alors, qu'elle a le plus paniqué, moi je dirais, si je me souviens bien, ça serait du Resident Evil 8, mais je suis pas sûr, parce que j'ai vu beaucoup de gens paniquer dessus, et du coup, le Resident Evil 7, c'est celui où tu la coaches normalement, si je me souviens bien, et... ça pourrait être ça, donc j'hésite entre Resident Evil 10 ou 7. Soit dit en passant, Dark Pictures, non, ça c'est récent, c'est en 2022. The Outlast, pareil, en 2022, elle l'a fait juste après moi, donc c'est forcément 2022. J'ai connu Elantia sur Outlast, donc c'était en 2022, c'est pas Outlast, ça c'est voilà, ça. Donc du coup, comme ça, on peut éliminer déjà celle-là. On peut éliminer les Dark Pictures parce qu'il me semble que les Dark Pictures, elle en a fait il y a récemment, mais c'était pas celui-là. Il me semble pas que c'était celui-là. Donc pour moi, c'est soit Resident Evil 7, soit Resident Evil 8. Le problème étant, c'est que je me dirais plus Resident Evil 7.
Alors moi... Ouais, voilà, le 7, je pense qu'il fait plus peur le 7, mais j'ai jamais vu de clip sur le 7, j'ai plus vu des clips sur le 8. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais justement, parce que sur les deux, elle a ragé, elle a paniqué, donc... Ah, lag. Je sais c'est bon. Quelle heure. Hein ? Ça lag. Ça lag un peu, pardon. Merde. C'est bon, merci. Oula, ça lag. Je voulais vous prendre un Joker, pour être sûr. Moi, je dirais quand même Resident Evil 7. Je vais rester sur ma première intuition. Tout à l'heure, j'aurais dû rester sur Phasmo. Ouais. T'as dit qu'elle se faisait coacher, c'est ça ? Ouais, elle se faisait coacher par Cucu. Et elle tournait en rond. Donc, je sais pas si dans la panique, tu prends le... Après, elle a bien paniqué dans le 8. Ouais, non, vas-y. Je vais pas faire la même. Il y a plus de clips. Il y a plus de clips. Et je pense que ça serait le 8. Mais pour moi, je dirais 7. Mais pour moi, allez, vas-y. Moi, je vais t'écouter. Si, on va prendre le 8. Si elle a pas été coachée sur le 8 et qu'elle a terminé toute seule. Elle a été coachée avec QQ aussi en partie. Ah ouais ? Ah. Ouais. Tu penses le 8 ? C'est un choix. Est-ce que vous validez la réponse A? Putain, j'ai 30 pas. Secondes, on se décide. Bon, allez, je te suis. Là, je te suis pour le coup. Allô, je te suis. Donc, on prend lequel? Le 7 ou le 8? Je te suis, moi. J'en ai aucune idée. Je dirais le 7 parce que le 7 fait plus peur. Mais après, j'ai rien vu sur le 7. Je sais pas comment elle s'est débrouillée dessus. Donc, je sais pas. Allez, Resident Evil 7. On valide. Allez, le 7, c'est parti. Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce que vous êtes... Je te jure, si c'est lui, t'es l'ancien, je te massacre. Je viens chez toi, je te massacre, j'ai ton adresse. Vous avez sélectionné la réponse. Je t'ai trompé, Max. Non, La B. La B, excusez-moi. Comme je le disais, vous avez validé la réponse B, Resident Evil 7. Il s'agit d'une mauvaise réponse, Resident Evil 8. Parce qu'effectivement, Resident Evil 7 et Outlast, c'était en 2022. Et Dark Picture, c'était un rage kit. Là, c'était le jeu le plus paniqué en 2021. Petite vidéo. Et du coup, et il y a d'ailleurs une petite vidéo. Comme ça, Valk va pouvoir pincons. Remettre ses émotions. C'est quoi cette horreur ? J'étais sûr. Bah ouais. Je me souviens très bien. J'étais là. Ah, c'est quoi ça ? Mais non, je veux pas voir ça! C'est quoi? Putain! Yummy! Oh, l'induction! Non, je suis pas là! Mon placard! Mon placard! Ah ouais, je me souviens, ils me les avaient envoyés ces clips. Pourquoi ça marche pas? Oh merde, je suis pas dans le placard. X. Oh my god. Oh my god. C'est quoi cette... Et voilà. C'est bon Val, t'as réussi à te remettre de tes émotions? J'ai vu que t'étais traumatisé tout à l'heure. Je suis blasé. Ah non. Nous passons en tout cas à l'équipe Curaclette pour la question numéro 7. Le temps passe tellement vite. Question numéro 7. C'est là où j'ai rencontré Elantia en plus sur Internet 8. Quelle émote est la plus utilisée sur la chaîne Twitch d'Elantia ? Réponse A, le couteau qui bouge de Myers. Réponse B, le Curaclette. Réponse C, la pastèque. Ou réponse D, Pikachu Dance. Est-ce que t'as un truc qui vient en tête directement ou pas? On dit quoi, pardon? Ah bah pardon, j'étais tellement à fou, j'ai l'impression là, comme ça. Ouais. J'ai envie de spammer l'emote maintenant, genre 1000 fois, sur le chat, j'ai envie d'ouvrir le truc et spammer 1000 fois l'emote, mais c'est sûr que j'ai bon, tu vois. Genre je vais ouvrir le truc et je vais être bi 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 ou ah, je sais pas, tu vois. Et boum, ça passe. Pour moi, pas la pastèque déjà. Franchement, non, je pense pas. Toute seule comme ça, genre bof quoi. La Pikachu danse et le curaclette et le couteau qui bouge de Myers. Ah, c'est dur. Alors, déjà, la Pikachu danse elle est très récente. Elle date d'il y a quelques mois à peine. Hein. Ah, ouais, bah on va l'éliminer alors. Donc, ça m'étonnerait.
Tu vois, j'ai l'impression, tu vois, qu'en plus c'est team contre team, tu vois, curaquette contre... Ouais, vraiment, là, du coup, j'ai même pas envie de prendre l'autre. Tu vois, c'est déjà, je suis déjà induit, déjà, tu vois. Oui, déjà, c'est ça. Je suis mal induit, j'ai l'impression que je me fais orienter, tu vois. Ça, si c'est pas bon, tu vois. Puis j'ai un P tout raclette, moi aussi, je veux prendre, j'ai envie de prendre le B, tu vois, rien que pour ça. Non, mais ouais, je... mais je pense pas que ce soit le curaclette non plus. Ouais, je suis d'accord. Je vraiment, la première impression que j'ai, je suis d'accord, c'est là, quand même. Ouais, moi je voudrais dire plutôt aussi. Encore une fois, à contre-cœur, encore une fois. Mais la B et la D, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on peut les éliminer. Oui. Le coup. La pastèque, je vais te dire, je l'ai même rarement vue. Hein, que ouais, ce soit sur son chat ou ailleurs. Donc, vrai, j'ai carrément dit, genre, je pense qu'on ouais. peut carrément éliminer direct. La C, je suis d'accord, on peut éliminer carrément direct. La D, c'est assez récent, en plus, je suis d'accord. Par contre, le couteau aussi, pour rajouter au fait que ça pourrait être ça, c'est quand elle fait des raids, souvent, c'est on balance les couteaux qui bougent en arrivant. Ah, ouais, donc, ouais, mais comme ça arrête, ça compte pas dans son chat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux si, dire. Ça, si, ça compte quand même dans le fait que ce soit la plus utilisée de sa chaîne, je crois, non? Ah non, peut-être pas dans ta région. Sur la chaîne ou c'est de sa chaîne? Enfin, je crois que ça compte pas dans les Alors, pour information, vraiment... l'utilisation d'une émote d'Elantia sur la chaîne des autres, ça reste comptabilisé comme l'émote la plus utilisée venant de la chaîne d'Elantia. Ah, ok. Sur Twitch, coup, non, hein, c'est pas compté. C'est pas compté comme ça. Comme je disais, ça n'est pas compté. Ah, ça n'est pas compté. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais plus qui croire maintenant, je sais plus qui croire. C'est quoi ça? Est-ce qu'on croit l'adversaire ou le commentateur? On sait plus, moi. Je sais plus quoi dire. Est-ce que du coup vous voulez trancher et demander l'avis du chat? Ah, pour moi, y'a pas besoin de l'avis du chat, hein. Ouais, non plus sur cette question-là, je suis pas. Je suis quasi sûr, hein. Ouais, moi aussi, en vrai. La première vous validez donc la réponse A? Qu'est-ce que t'en penses, Plumbo? Pour moi, oui, c'est la réponse A. Moi, je la sens bien aussi, la réponse A. Pour vous, l'émote la plus utilisée de la chaîne Twitch d'Elantia, c'est le bouton qui bouge de Myers. Et c'est une bonne réponse. Félicitations à vous. Voilà. Nous allons du coup passer maintenant à la question suivante. Question numéro 8 pour l'équipe Myers. C'est parti. Équipe Myers. Dans son générique, de qui parle Elantia quand elle dit « Tu veux bien être mon 4 heures ?» Réponse A, Joël dans The Last of Us. Réponse B, Michael Myers sur Dead by Daylight. Réponse C, Kurama. Réponse D, Léon dans Resident Evil. Léon. Et vraiment, moi, je sais qui c'est. Ouais. Il y a intérêt à l'eau, attends. Tu sais quoi, il y a intérêt? Tu te calmes. Du coup, tu dis dans son générique qui parle d'Elantia dans celui de OF ou dans l'autre? Parce qu'il y en a deux, hein. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux bonnes réponses. Bah, justement, il y a deux chaînes officielles, hein. Ça dépend si tu parles de celle soft ou celle hard. Le gars qui va casser les pieds jusqu'au bout. Abonnez-vous à son compte OnlyFans. On recherche quelqu'un pour remplacer Halo, finalement. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Lord? Je dirais quand même la... Hein? Ouais, je dirais la C. Non. Bah oui, on le sait tous. On sait tous que... la réponse, on fait durer le suspense. Vous validez donc la réponse, c'est Kurama? Non. Allez. Réponse A. Je vais dire la réponse A, ouais. Vous validez Joël, tu vas être mon 4 heures dans The Last of Us. Noël. Et c'est une bonne réponse. C'est bien, Joël dans Last of Us, on a d'ailleurs un petit extrait. Ah ouais, on se tape pour aujourd'hui. On se tape tout le temps le générique 10 minutes avant le live, donc bon, forcément. À force, on retient quand même, ouais, hein. Joël, tu veux pas être mon 4 heures? Putain. Je retente triper. Question numéro 8 pour l'équipe Raclette. Nous arrivons à la fin, quasiment à la fin de la première manche. Question numéro 8. Dans le jeu Dark Picture, House of the Hash, excusez mon anglais magnifique, Elantia étrangle quelqu'un par erreur. Que dit alors Kurama? Réponse A, mais réfléchis. Réponse B, la noob de France. Réponse C, qu'est-ce que t'es conne? Ou réponse D, mais t'as fait quoi?
Moi en plus je les vois faire et je vois très bien la scène. C'est faut appeler plusieurs fois et elle spam, elle se rend pas compte en fait. Elle le tue, elle l'étrangle en effet. Et après c'est un gros fail, tu vois, et je vois Cucu en effet qui l'engueule. Donc ouais. Pour moi c'est. Moi le premier truc que j'aurais dit c'était mais t'as fait quoi. Mais je suis pas sûr du tout. Parce que ce genre de clip là, comme c'est sur des jeux qui me font peur, je regarde pas. Non, c'est dans mon générique. Effectivement. Présent également dans le générique. On passe pour des noobs si on sait pas du coup. Oui, clairement. Bah non, c'est un détail. Moi, j'arrive jamais au début, moi, je suis toujours en retard, moi, c'est ça le problème. Moi aussi. Moi, l'apogée, je connais pas, moi. Déjà, même moi, pour mes lives à moi, je suis en retard. Alors, je vais pas arriver en avance sur les lives des autres, t'imagines, ce serait. Pareil. Il y a plus de logique là, dans ce cas-là. Donc, j'ai une générique, c'est dead, quoi. T'as une OPSNCF ou quoi? Non, mais moi, j'ai des photos de trains qui partent dans mon téléphone, tu vois. Et des photos de bureaux de poste remplis avec la queue pour envoyer à mes potes quand j'arrive en retard. Ah, réel en plus, c'est vrai, j'envoie ça à mes potes, genre, putain, j'ai loupé mon train et tout, mon bus même, j'envoie ça. Et par photo, je dis, putain, j'ai loupé mon train, je vais arriver un peu en retard. Or que je suis pas parti encore de chez moi, tu vois, c'est pour te dire. Et du coup, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Réponse A, B, C ou D? Je sais pas du tout. Est-ce que vous voulez utiliser votre dernier joker, le vote du public? On pourrait en vrai, là, ce serait le bon. Oui, là, parce que je me dis que sûrement les gens, par contre, ils doivent l'avoir vu, tu vois, ça. Ah ouais, le générique, les gens, ils sont. Franchement, si c'est vraiment. Eh oui, c'est moi, je pense qu'ils devraient l'avoir vu en vrai. Ah oui, c'est le meilleur moment. Mais ouais, je pense qu'on va partir sur le joker, là. Nous allons, du coup, valider ce joker. Pour moi, oui, pardon, j'ai entendu un truc, oui. Genre. Oui. Pardon, oui, excusez-moi. Attends pour moi, non, c'est moi, j'ai une coupe. Ordinateur Pierre Dash, merci de faire un vote dans le. Un sondage dans le chat. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Le public va alors avoir une minute pour répondre à la question. J'espère qu'ils vont pouvoir vous aider à être un peu plus sûr. S'il vous plaît, pas de troll, sérieux. Pas de troll. Pas de troll, s'il vous plaît. Trollez à mort, les mecs. Trollez à mort. Mettez des emotes couteau. S'il vous plaît. C'est vrai que, comme ça apparaît dans le générique, peut-être Max. Que ceux qui sont dans le public. Effectivement, excusez-moi. C'est vrai que, comme ceux qui arrivent dans le public. Enfin, ceux qui sont là dans le chat, ils sont là souvent depuis le début, ils vont peut-être avoir le générique en entier. Ouais, je pense que c'est le meilleur moment. Ouais, je pense, ouais, t'as bien fait. On a bien fait, je pense, pour le bonus. Après, si on essaye de faire peut-être par élimination, ce qui est plus logique le temps qu'ils votent. Franchement, moi personnellement, déjà, je vois pas dire Nano de France tout de suite comme ça. Ouais, moi non plus. À chaud comme ça, tu dis pas genre. Ouais, je le vois pas, tu vois. Dans ma tête, non, déjà. Ouais. Ouais. Est-ce que là, Kurama serait capable de dire qu'est-ce que t'es conne à Elantia? C'est possible en vrai, mais. Ah ouais? Ah non, mais quand même. Enfin, je pense que c'est possible qu'il ait déjà fait, j'imagine. Mais je pense pas, non, c'est ça. Je pense tu veux que je dise le vote, ouais. Max? Ou tu je pense que je l'ai sous les yeux. Ok. Et du coup, justement, le chat a répondu à 52% la réponse A, mais réfléchis. La réponse D à 29%, la réponse C à 14% et la réponse B à 5%. Ah! Mais réfléchis. Une légère avance, okay, donc c'est légère pour avance, la réponse A, mais réfléchis. Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? À la base, je voulais vous pas le demande. Donner mon, je voulais pas donner mon avis pour pas influencer ouais. les votes, mais c'est pour ça que je l'ai pas donné tout de suite. Ouais. Mais du coup, comme tu as donné la D, peut-être que ça a influencé la D et c'est déjà pas plus bas. Enfin, c'est plus bas que la A. Oui, c'est ce que je me dis, ouais. Ça me conforte dans la A, en fait, parce que du coup, si, genre, en pensant que c'est la D, ils ont quand même voté la A, les gens. Oui. Bah, c'est que nous, on pense que c'était la D, et ils ont voté A, donc quand même, il y a un gros indice pour dire que bah, c'est la A, tout simplement, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je partirais sur la A, oui, du coup. Vu qu'on n'a pas trop d'idées, je pense que la confiance, ouais. La B et la C, pour moi, c'était pas ça. Ouais. Je la vois pas, mais le mec, quelque chose, ouais, ça me parle. Vous validez alors la réponse A? Oui. Mais réfléchis. Pour vous, c'est ce que Kurama va prononcer dans cette séquence. Et effectivement, nous allons avoir la réponse en image. Eh ouais. Tu valides pas. Ah, je monte. Ok. Ouais, vas-y. Ok. Oh, le roulement tombe en plus. On lâche un peu. Oula, je lâche. On est bouffé là. Ah bon?
Mais non. Tu vas l'étouffer. Tu m'y réfléchis, tu le Je le sens plus. Oh non. Mais non. Allez, mon cul, tu peux le faire, dis-le. Moi, j'ai fait les QTE sans réfléchir. Ah, c'est bon, ça sent bon. Réfléchis. Ah. Effectivement. Tu as joué, les gars. Waouh, merci le chat. Effectivement, le chat est avec vous. Vous avez donc gagné cette manche. Vous avez donc les 5 points supplémentaires. Vous avez également la chance d'avoir 2 jokers qu'ils ont réussi pour vous. Aussi bien l'appel pour un ami que le sondage. Il remue le couteau, j'ai l'impression. Pour être sûr que ça fait bien mal. J'aime appuyer là où ça fait mal. Le gars, il est content, il a refourgué tous ses jokers. C'est ça, tiens, regarde ce cadeau. En parlant de joker qui est passé, on va rejoindre une équipe où les jokers, ça se passe plutôt mal. L'équipe Myers, on est de retour avec vous. Ouais, mais nous, on se fait troller, on peut pas faire confiance aux jokers. On peut pas, c'est pas possible. Question numéro 9 pour vous. À quelle raison t'es... Allez, encore du Resident Evil. N'a jamais joué. Réponse A, Resident Evil 2 Remake. Réponse B, Resident Evil 4. Réponse C, Resident Evil 3 Remake. Réponse D, Resident Evil 6. Ils vont nous mettre du Resident Evil tout le temps. Laure, tu es encore vivant? J'avais mon micro coupé, encore une fois. Ouais, effectivement, du Resident Evil. Après, moi, ça me dérange pas. Seulement, quand ça tourne autour d'Elancia, du Resident Evil... Là, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. T'as une petite idée, toi, Allo? Peanut, encore plus largué que tout à l'heure. Ah ouais? Bon. Ouais. Alors, je sais qu'elle a fait le A. Je sais qu'elle a fait le 6. J'hésite entre la C et la B. Entre la C et la B? Parce que oui, elle... La C. La C. Putain, on en a parlé tout à l'heure. C'est ça, hein? Ouais, j'aimerais bien faire Resident Evil 3 en remake. Non, c'est pas ça? Je sais pas si elle en a parlé, mais... Elle connaît trop Resident Evil 4 pour quelqu'un qui l'a pas fait. C'est pas logique, tu vois. Je pense la C. Je l'ai jamais entendu parler de Resident Evil 3, par contre. Donc, ouais. La C, je suis sûr de moi. Je valide. Je suis sûr de toi. Tu valides. Vas-y, valide. Vas-y. Alors, quelle réponse veux-tu valider? La C. Il a décidé de valider la réponse C. Resident Evil 3 Remake. C'est faux, je te poignarde. La question, à quel Resident Evil Elancia n'a jamais joué? Vous avez... La bonne réponse. Putain. T'as le droit à un sursis, c'est bon, j'ai encore envie. Effectivement, Resident Evil 2 Remake, c'était en 2021. Resident Evil 4, c'était quand elle était adolescente sur sa Wii. Et Resident Evil 6, c'était en coopération avec Kurama. Petit extrait. Kurama, il faut m'attendre. Là, je ne courais pas. Qu'est-ce que tu m'as fait, là, Elancia? Oh, bah tiens. Ouh, Ada. Attends. Prépare-toi. GFK, regarde les connexions. J'ai la télécommande si tu veux. Quoi? Mais genre. Ah putain. Bon. On va y arriver. Mais je connaissais le 5 là. Oui. Mais... Pourtant j'appuie comme une malade. Hein. Il y a eu le 6 et le 5. Question numéro 9 pour l'équipe Curaclette. Quel sujet Elancia n'a jamais engagé en stream? Ne faites pas attention. Reboot. Réponse A, la cave humide d'Elkessi. Réponse B, l'étirement du couteau de Valk. Réponse C, les baloches qui ne vont pas se balader de Pierre. Réponse D, les mandarines de Kurama. Waouh. Bah, déjà, l'étirement du couteau de Valk, je pense que c'est sûr, hein. Parce qu'on en a parlé, hein. Ouais, je sais, tout le monde parle de mon couteau, je sais très bien, ouais. Pour moi, la cave humide d'Elkessi aussi, je pense.
Je vois bien l'échange entre les deux parler de ça en vrai. Ça ressemble bien aux deux. Ouais. Et après les mandarines de Kurama, je crois que ça date de cet après-midi. Hein. Ah ouais? Mais genre. J'ai entendu ça. Il faut s'étirer l'entrejambe quand il est mou. I'm sexy and I know. L'entrejambe quand il est mou. Pardon. L'entrejambe quand il est mou. I'm sexy and I know it. Bah non, s'étirer quand il est mou. Quand il est mou. Il s'étire l'entrejambe parce qu'il est mou. On parle d'un divestiaire pour hommes. Alors. Est-ce que vous allez valider? Ah, c'est beaucoup par élimination, il reste ouais, assez quoi. Hein. C'est vraiment par élimination. Utiliser un joker? Ah, c'est un pas. Ouais, le joker, hélas. Ah, je veux bien, mais là. Ça va être... Ils ont quand même eu la chance d'avoir bon à chaque joker. C'est vrai. Eux. Les questions étaient plus faciles de leur côté. Hein. Moi, j'aime bien Resident Evil, je t'ai calé là. Ouais. Même les chats. Les questions ont été triées en fonction des invités, bien entendu. Ah, bah oui, c'est J'imagine. Je vous écoute donc pour la réponse que vous souhaitez sélectionner. Si t'en penses plutôt par élimination, on prendrait l'AC, tu penses? Ouais, par élimination, c'est l'AC, ouais. Je pense. Ouais, je pense qu'on est en plus, il est... Vas-y. Bah, écoute, Max... Pour vous, vous n'avez jamais entendu... Après... Les balages qui vont se balader. Mais oui. De Pierre. Et effectivement, c'est une bonne réponse. Ce n'est pas Pierre qui fait ce son, mais c'est moi. Allez, on a d'ailleurs un petit extrait. Voilà, donc je suis censé être dans la cave. Alors, pas la cave de Kessinori, hein, mais je suis censé être dans la cave. Et je dois dans cette cave. Tu m'as dit cette... Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu veux parler de ta cave? Je crois que je veux voir. Bonjour, Ido, on est en train de parler de la cave. Et voilà. Nous passons à la dernière question de cette manche pour l'équipe Myers. Équipe Myers. C'est la dernière question. La dernière question. What? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Non. Je prends toujours ça pour un rire. Question numéro 10. Quelle est la notif sub des 3 mois d'abonnement de la chaîne Twitch d'Elantia? Réponse A, Elantia dans Koh-Lanta. Réponse B, la danse couteau de Myers. Réponse C, Elantia en costume sur la musique de Crazy Frog, ou réponse D, Elantia en costume sur la musique de Denis. Petit lag. Et je sens que ça fait caca tout le monde. Non, en fait, c'est parce que la fois où j'ai offert à tier 3, elle m'a dit il faudrait que je paramètre mon truc parce que j'ai jamais mis de truc de tier 3. Et du coup, j'en ai plus jamais fait. Donc moi je dirais aucune, c'est la dernière réponse parce que c'est la dernière truc que j'ai vu la fois dernière, ouais. Ah moi je dis, si c'est la dernière question autant utiliser un joker. Ouais, au moins comme ça on fera comme les autres, on va se faire troller quoi. Non, je pense connaître la question mais vas-y, la réponse plutôt, mais vas-y. Vas-y. Je serais partant pour utiliser un joker, on a quoi déjà un il appel. Ne reste plus que le vote du chat. Ah, il en reste plus que... Ah, ok. Ouais, vas-y, vote du chat, c'est parti. On n'a pas 5 points si jamais on l'utilise pas? Non. Ça ferait égalité. Le gars, c'est qu'il gruge. Ordinateur Pierre, merci de faire un vote entre la réponse A, B, C ou D. Le chat, la question est la suivante. Quelle est la notif sub des 3 mois d'abonnement? Réponse A, Elantia dans Koh-Lanta. Réponse B, la danse couteau des Myers. Réponse C, Elantia en costume sur la musique de Crazy Frog. Ou réponse D, Elantia en costume sur la musique A. Quelqu'un balance un tier 3, on aura la réponse. Mais il parle de tier 3 ou des 3 mois d'abonnement? Quel est notre sub des 3 mois d'abonnement? Ah, les 3 mois, c'est pas les tier 3. Ouais, non, je pense que c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil, là, non. Vous avez quand même un très bon adversaire qui vous donne un très bon indice. Je dis ça, je dis rien. C'est pas la même chose quand t'as fait l'anecdote, j'ai dit bon, ok, mais... Je comprenais pourquoi maintenant, c'est vrai, les tiers 3 ça fonctionnait pas. Ah oui. Est-ce que vous, du coup, vous pensez que le chat va être capable de vous aider? Ouais. Là-dessus. Vous pensez que le chat peut avoir la bonne réponse? Ouais. Je pense que c'est des gens bien, qui sont bons. Ils adorent les emotes couteau, donc du coup, ils vont nous soutenir à fond. La pommade. Parce que sinon, ça va faire beaucoup de gens à poignarder.
Et je vous avouerai que là, c'est plus un homicide, mais c'est carrément un meurtre, un génocide direct. Ah. En tout cas, le chat a voté la réponse C, Elantia en costume sur la musique de Crazy Frog à 64%. D'accord. Est-ce que vous décidez de suivre le chat ou est-ce que vous décidez de prendre une autre réponse ? Alors, personnellement, je pense que c'est avant la réponse, l'avis du chat, je pensais que c'était la bonne réponse. Donc, moi aussi, quand j'ai percuté que c'était pas un tier 3, je me suis dit putain, c'est l'heure... ça. Tout à l'heure, il y a eu plein de sub-gifts là, et on entendait que ça. Donc, voilà. Ouais. Alors, pour votre la première, le AAA, ils c'est ont pour voté les premiers. Et là en costume sur la musique de Crazy Frog à 64%. La réponse est là dans Koh Lanta à 27%. La réponse est là en costume de Denis à 9%. Et personne n'a voté pour la danse couteau des Myers. C'est donc la réponse A à 64%. Réponse C à 64%, comme je vous le disais. Est-ce qu'on valide cette réponse ? Est-ce qu'on est obligé ? Oui, si on valide pas, on perd. C'est vrai. On reste là. Ça va durer 4 épisodes. Et salut. Allez, on valide. On valide la C, ouais. On valide la C. Et effectivement, c'est bien Elantia. Là, je demande à Elantia s'il y a un clip, je sais plus. Non. Non, il n'y a pas de clip. Allez. Comme je vous le disais. Dernière question, même pas de clip. Allez. Et bien justement, tu le fais bien. La dernière question, la question numéro 10 pour l'équipe Raclette. Et donc la dernière question de cette manche numéro 1. Équipe Raclette, le suspense est à son comble. C'est parti. Café Allo Général à Elantia en stream. Réponse A, il a ouvert le placard dans Phasmophobia pour qu'elle meure. Réponse B, il l'a abandonné sur Dead by Daylight et a fermé la trappe pour qu'elle meure. Réponse C, il lui a créé un faux profil sur OnlyFans pour lui faire peur. Ou réponse D, il lui a fait faire un accident sur Euro Truck pour qu'elle perde. Moi j'ai une première impression déjà. J'ai pas moi aussi, mais j'ai peur d'avoir un souvenir faussé. Donc dis-moi moi, d'abord toi. Moi pour moi c'est là. Ouais, j'allais pas du tout dire ça, tu vois, donc... C'est vrai ? Ouais, parce que moi, mais je pense que je me trompe. T'allais dire quoi, toi ? Non, peut-être que je me trompe, moi, parce que... Moi, en fait, j'ai joué, je me souviens, j'ai joué avec Ella la première fois à Phasmo. On avait joué, je me souviens, avec la Pino et Cucu. Et elle me parlait d'un placard. Ah. Et que il s'est passé un truc, et elle est morte à cause de ça. Et je crois que c'était Halo, mais je suis pas sûr, vraiment, genre, si... des fois, je me hais. Des fois, je me mords d'un truc qui a rien à voir, qui me sert à rien, à vie. Bon, tu me diras, ça sert que pour ça. Mais j'aurais pu avoir la réponse, tu vois. Mais ça me dit un truc, le placard, dans Phasmo, ça me parle en fait. Je sais qu'elle en a parlé quand on a joué à Phasmo ensemble. Alors, si c'est Halo, peut-être rien à voir, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Plumbo ? Alors, déjà, dans ta réflexion, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que Phasmo, c'est un peu le jeu qu'ils ont en commun, déjà. Après, créer le faux profil sur OnlyFans, ça m'étonnerait quand même. Peut-être aller jusqu'à là, ça me paraît beaucoup. Justin peut éliminer ça, là, je suis d'accord avec toi. Après, DBD, j'ai pas d'idée. Et ensuite, c'était sur l'accident sur Euro Truck. Je me souviens d'un clip comme ça, mais je suis pas sûr que c'était Halo. Ah bah, j'ai peut-être, hein. Ça se trouve, j'ai peur de me tromper, hein. Ça se trouve, t'as vraiment raison. Ben, je suis pas sûr que c'était Halo. C'est ça le truc en fait. Donc, si toi t'as plus le souvenir de. Ah, et t'as dit qu'il s'était passé quelque chose dans le placard. C'est peut-être plus logique. Effectivement, ça serait quand même drôle que ça soit. Mais, enfin, moi, trois clips qui soient réellement réalisés, mais pas avec les bonnes personnes. En fait, le truc du placard, ce qui est bête, c'est que. En quoi ouvrir un placard, ça tue des gens en fait, en face de moi. Genre, j'ai pas beaucoup joué à face de moi, tu vois. Genre, je suis pas un gros joueur de face de moi. Je sais pas, t'as des fantômes qui t'attaquent, je sais rien. T'as joué toi ou pas déjà ? Moi jamais. Ah ouais, non, mais en fait, ouvrir un placard dans Phasmophobia pour qu'elle meure. Ah, peut-être le truc le suivait et il a ouvert le placard où elle se cachait et du coup après il s'est paré et du coup après le truc l'a attaqué.
Ça c'est possible du coup. Du coup ça fait sens. Genre, parce qu'en fait quand tu te fais attaquer par le fantôme, tu dois te cacher. Et si c'est dans un placard et qu'il est ouvert le placard, alors vraiment ça me paraît pas mal ça. J'aime bien. Bah, en fait du coup, si, par contre si la D, si tu penses, dis-moi vraiment. Moi je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui lui a fait faire avoir un accident, je suis sûr. Et je ne suis pas sûr que c'était Halo. C'est quoi Eurotruck? C'est pas Eurotruck Simulator, c'est pas un truc où tu conduis les... des camions. Avec les camions, oui. Et comment ça tu perds? S'il y a un but dans le jeu, je sais pas. Elle s'est renversée en fait, donc après elle pouvait plus avancer. Ok, donc du coup ça considère comme t'as perdu. Je connais même pas ce jeu en fait. Enfin si, ça me dit un truc, mais je vois même pas pourquoi c'est perdu. Pierrika, bah se... je sais pas, elle sort et puis elle prend notre camion et puis voilà, tu vois, le jeu continue quoi. En tout cas, je vais demander de sélectionner une réponse. Ouais, ok, ok. Franchement, moi ta réflexion me paraît plus aboutie, tu vois, et moi je suis pas du tout sûr que je sois avec lui, donc... Du coup, je me sens trop mal si j'ai faux. Mais... Oui, mais bon, je décide de faire confiance aussi. C'est vrai, tu es comme ça, je... Alors, on valide quelle réponse? Moi je suis pour la... Ok. J'ai pas entendu, quelle réponse? La A. La réponse A. D'après vous, Allo Général a ouvert le placard dans Phasmophobia pour qu'elle meure. C'est vrai. Ce qu'on demande à Allo directement de nous donner la bonne réponse. Allo. Est-ce que je la donne? Est-ce que je la donne ou est-ce que je la donne pas? Si tu la donnes pas... Ouais, bah c'est la bonne réponse. Ah. Et puis... Bravo. Et on a d'ailleurs le petit clip. Ça sent vraiment de très loin derrière, me semble. Oui. Oh, c'est fou. Je suis pas là, j'existe pas. Ça fera du palmier grillé. Non. Non, t'as bouffé dans le placard. Mais quoi, il bouffe dans le placard, ce connard. Je m'en lasserai jamais. Mais quoi? Dès là, je m'en lasserai jamais. Oh non, t'es sérieux là? Tu m'as ouvert la porte. T'es sérieux là? Comme à vu, c'est la même expression. T'es sérieux là? Attends, mais je suis pas pour la petite anecdote. Pour la petite anecdote, en fait, le fantôme il arrivait et j'étais, moi j'avais de quoi me protéger. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la porte, elle a refermé la porte, j'ai réouvert la porte, elle a refermé la porte, j'ai réouvert la porte et je me suis barré. Et le fantôme il arrivait, il a vu la porte ouverte, il a vu la porte bouger. Bon boy, l'ancien. Bon boy. C'était donc la dernière question de cette première manche. Et on va découvrir qui va partir en deuxième manche. L'équipe Mayer, c'est à 40 points. Et l'équipe Curaclette passe à 45 points grâce à cette dernière victoire. Bien joué. Et c'est Curaclette. Curaclette qui passe en deuxième manche. Et l'équipe Mayer qui perd donc de 5 points. À cause de Pierre, on peut se le dire. Exactement, à cause de Pierre. C'est ça. Trolleur de merde. Il est poignardé, lui. Oh là 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 là. Avant il est censé être là depuis le début. Avant de partir, on fait juste la petite question bonus en points, Max. Ouais. Est-ce que tu peux juste me rappeler, c'est la combien? La 22. Alinéa 3, paragraphe B. C'est comme les impôts. Bah là, je sais pas. Pas laquelle c'est. Hein. Je crois que c'est. Je sais pas. Tu as pas le document? Et si je l'ai sous les yeux. Ah ok. Et si on avait fait égalité tout le temps, vous auriez fait comment? Bah justement, on a des questions bonus. On a des questions bonus en plus. Là, on va juste faire une question bonus parce qu'elle est collector. Oh. Donc du coup, il y aura personne qui aura de code promo. Non, voilà. Cadeau. Tu l'as retrouvé, Max? Attends, on a des codes, mais plus cher. Ah nickel. Allez, c'est parti. Hop. Des codes non promo. Des codes non promo. Tu le rentres et tu payes 10% de plus. Cadeau. Question bonus. Là, elle sera que audio. Je vous laisse participer tous les quatre. Il n'y aura pas de visuel. Un clip au hasard. Alors, quel moment est arrivé sur un stream d'un inconnu? Réponse A. Un clip au hasard s'est lancé et c'était la danse pastèque. Le streamer était gêné. Réponse B. Le streamer la banne à cause de l'émote Myers Couteau. Réponse C, le streamer lui a demandé en MP si elle avait un OnlyFans. Ou réponse D, le streamer lui a demandé si elle était mineure en voyant une rediffusion. J'ai même pas compris la question, je suis désolé. Pouvez-vous répéter? Qu'est-ce qu'un streamer a fait? Ah, ok. Que tu connaissais pas? Non. Un streamer ou une quel streameuse? Quel moment gênant est arrivé sur la réponse A d'un inconnu? Faux. Val qu'il est chaud, il a dit la réponse A direct. Il était cow-boy, quoi. Bam!
Attends, la question donc c'est qu'est-ce qu'un streamer a fait en arrivant sur la chaîne de Delancia? Quel streamer inconnu a eu comme moment gênant sur sa chaîne à propos de quelque chose de la chaîne Delancia? Je dirais la A. Pour toi, il y a un clip au hasard qui s'est lancé. Et c'était là dans ce podcast. Possible, on va voir ça. On regarde ça tout de suite. En image. Donc SO et Lancia. Tu vas voir. Voilà. Ça joue un clip au hasard de ta chaîne. Moment de gênance particulier. Cette personne n'est jamais revenue sur mon stream. Enchantée, madame. C'est gênant. En tout cas, effectivement, Lord Valkyrion, allô, vous avez tous les deux perdu cette première manche. Merci d'avoir quand même participé. Merci, voilà, allô, merci, Lord. Rentrez chez vous, la queue entre les jambes. Oui, tout à fait. Ouais. Merci, Pierre. Je peux te faire une petite dédicace avant de partir? Allez, allez, on est sur Skyrock, vas-y, je t'écoute. Alors, je vais faire une petite dédicace à ceux qui me soutiennent. Merci à vous. Je ne vous ai pas vu dans le chat, mais ce n'est pas grave, hein, comme on dit. Et une petite dédicace aussi aux anti-rustres. Je ne vous étais pas là, mais ce n'est pas grave aussi. Et fuck les rustres. Et Ada pue aussi au passage. Et allez l'OM, on est en train de jouer là. Je suis un peu le score, mais ça pue la merde. Et voilà quoi, écoutez... Ce sera tout pour moi, je pense. Allô, est-ce que toi, tu as un petit message également ? Quelle violence ! Bah moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que les meilleurs partent toujours les premiers, donc voilà. Tout est dit dans la phrase. Tout est dit. Nous partirons la queue entre les jambes, mais tant que la queue du lion bouge encore, il est en vie. Exact, exact. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé. On retrouve dans 2-3 minutes, enfin les 5 minutes, soyons fous, une petite pause. On retrouve l'équipe Curaclette pour s'affronter dans un face-à-face. Moi, je veux pas affronter Pombo. Moi non plus. Bon. Un choix. Il faut du sang. Rebonjour, nous sommes de retour à Qui veut gagner des pastèques en compagnie de Oui Oui Westside et de Pum Bombast, qu'ils ont gagné tous les deux la première manche. Félicitations à vous. Merci. Vous allez maintenant vous affronter en face à face parce qu'on veut du sang avant tout. Il n'y aura qu'un seul gagnant ce soir. J'espère que vous allez réussir. À cette occasion, vous allez pouvoir buzzer via le site internet que je vous ai envoyé. Nous verrons du coup en direct qui buzz et je vous donnerai donc la parole. C'est donc une question de rapidité. Celui qui buzz en premier prend la parole une fois que je lui ai donné. Aucun joker pendant cette première partie, enfin pendant cette manche, excusez-moi. En cas de mauvaise réponse de la personne qui a buzzé, l'adversaire peut buzzer à son tour pour donner une réponse également. Ok. Une fois que tout le monde a répondu, c'est perdu et vous ne remportez pas de points. Pour chaque bonne réponse, vous prenez un point. Si vous n'avez pas de la bonne réponse, personne ne prend de points. C'est plutôt logique. En tout cas, c'est parti pour la manche 2. Nous revoilà et nous passons directement au face-à-face. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Bonne chance, Mumbo. Bonne chance. Oh, ils sont fair play. C'est mignon. Ah ben oui, on sait, on a gagné ensemble, hein, donc voilà, on reste une équipe. Hein. On va faire Exigo exprès, tu vas voir. Boum. Ouais, ils ont pété. Vous ne pourrez pas. Tout est prévu pour qu'il n'y ait pas d'Exigo. Ah mince. Ils ont pensé à tout, ils sont trop fins. Ouais. C'est parti pour la première question. Question de rapidité, je vous le rappelle. Quel est le son le plus utilisé sur la chaîne ? Réponse A, Nouveau de France. Réponse B, ou Raclette. Réponse C, Donna de Simet. Réponse D, Yamete. Et c'est Oui Oui qui a buzzé. Franchement, même si je me trompe, c'est pas grave, parce que c'est mon préféré. J'arrive en faisant ça, limite. Donc pour moi, c'est the best. C'est la réponse B pour moi. Tu as répondu la réponse B. C'est une bonne réponse. Oui. Tu emportes du coup
Marc. Le premier point. Numéro 2. Mao, comme ça. Elantia est en couple avec. Réponse. A. Kurama, réponse B. Jocelyn, réponse C. Robino ou réponse D. TV Nounou. Et oui, oui, a encore pris la parole. Robino, c'est facile. Réponse C. Réponse C. On avait le droit de buzzer. Oui, oui, j'allais poser la question, on a le droit de buzzer avant. Pardon, mais du coup, je sais pas si ça compte le point parce que je sais pas si elle savait. J'ai buzzé un peu avant pour essayer, mais. Ah, moi, je savais pas, mais c'est pas grave. Vous pouvez les pré-shot. Réponse B, plein de beau. Oui, oui, bah moi je pensais à ça, hein, je suis désolée. Réponse 2, du coup, pour. 2 points, donc, pour. Oui, oui, oui. Et oui, vous pouvez buzz direct quand vous voulez. Ok. Ça arrive. Hop. Question numéro. Je reset. Numéro 3. Quel est le jeu qu'a détesté faire Elantia sur Twitch? 42, wesh. De quelle galère, c'est fini, quoi. Réponse A, Euro Truck. Réponse B, Life is Strange 3. Réponse C, Super Saiyan. Réponse D, Prop Knight. Et c'est Plumbo qui prend la parole. Mais je vais tenter la réponse C, Super Seducer. Toi, il s'agit de la réponse C. Et c'est une mauvaise... Oh. Oui, oui. Nous t'écoutons. Ah oui, du coup, c'est j'ai quand même... Je peux répondre, là. Oui, oui, tu peux importe, répondre. Ok. Je dirais... je sais même pas, en vrai. Je vais tomber un peu au hasard. Petit bonheur à la chance. Je vais dire la réponse B. Allez, je sais même pas si elle l'a fait. Life is Strange 3. Oui, c'est une bonne réponse. Désolé. C'est trop de chance. Désolé. Oui, oui, qui commence à prendre une légère avance. Ah ben, c'est vraiment de la pure luck, hein. Oui, mais ça se prend quand même. Allez. Question numéro 4. C'est parti. Quel est le modo qu'Elantia a connu en premier? Réponse A, Pierre. Réponse B, Max. Réponse C, Kurama. Réponse D, Simet. Et Plumbo a pris la parole. Simet. Tu as validé... La réponse D. La réponse... D. D. Tu as validé la réponse D. Et il s'agit d'une très bonne réponse. Effectivement, Elantia et Simet se connaissent depuis les blogs Sims, bien avant la chaîne YouTube et la chaîne Twitch d'Elantia. Oh. Et Plumbo qui marque son premier point également. Et toi. Tout est encore jouable. Ça va, l'on est réchauffé. C'est bon, j'ai eu beau. Ok. Question numéro 5. Quelle est la musique originale de Nouveau de France? Réponse A, Little Big Skibidi. Réponse B, Little Big Go Bananas. Réponse C, Little Big Moustache. Réponse D, Little Big Everybody. Et là, personne ne buzz. J'ai aucune idée, genre. Ça... Et là, ouais. Il se passe quoi si on buzz aucun de nous? Genre, il se passe rien. Buzzer, tenter, hein. On passe à la prochaine. Vous tentez. Non, moi, je vais faire un pouf-louf. Au cas où si... Bon, peut-être comme ça... Je vais commencer, peut-être comme ça tout à l'heure. Je savais pas. Je vais dire... Le premier qui buzz prend la parole. Ah, oui, non, oui, après la parole. Buzzé, du coup. Je vais dire la B, parce que quand c'est un QCM, faut toujours répondre la B. Parce que j'ai d'accord. Appris dans les concours. Moi, je vais... Voilà, c'est ça, voilà, c'est B. Pour toi, il s'agit de Little Big Go Bananas. Allez, vas-y. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, merci. Plumbo, de nous donner une petite réponse. Je vais dire... La A. Pour toi, la musique originale de Noob de France, il s'agirait de Little Big Skibidi. Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Let's go. Bon. Ah, c'est Siri. Pure chance aussi. L'écart se creuse. Enfin, se réduit, justement. L'écart se réduit, au contraire. Oui. Merci, monsieur. Question numéro 6. Depuis combien de temps Elantia est sur les réseaux avec ce pseudo dans les blogs Sims? Réponse A, 2005. Réponse B, 2006. Réponse C, 2007. Réponse D, 2010. Et c'est Plumbo qui prend la parole. La réponse B, 2006. Voilà, là, n'hésite même pas.
Ah ouais. Oui, j'ai une hésitation dans la tête entre deux années. Une hésitation. Ouais. Il s'agit de la réponse B. 2006, c'est une mauvaise chance. Oui, oui, nous t'écoutons. Moi, je dirais pas 2010, c'est un peu loin. Du coup, j'espère 2007. Vu qu'elle hésite en 2006, je pense qu'elle devait pas être très loin. Tu valides la réponse C, 2007. Ouais, ça me paraît bien. C'est une bonne réponse. J'ai eu un peu de chance. Oui, qui reprend un petit avantage. Petit. Ouais. Mais prenable. Et le chat qui t'encourage, hein, on l'entend. Ouais, merci. Question numéro 7. Quand Elantia a-t-elle annoncé qu'elle a commencé les lives Twitch? C'est vous qui a déjà buzzé. Nous t'écoutons. Ah. Non, je plaisante. Je pense que j'ai une idée, mais il faut me donner un truc précis quand même. Réponse A, le 8 février 2021. Réponse B, le 12 février 2021. Réponse C, le 23 février 2021. Ou réponse D, le 3 février 2021. Donc. Je dirais. Oh, c'est trop dur là. Je dirais la réponse. On va demander la réponse. Réponse B. La réponse B. Ah, les B, c'est bien. Je suis d'accord. C'est pas lui. Pour toi, j'ai déjà envie de changer. Février 2021. Je me suis trompée. Et non, c'est une bien. Mauvaise. Moi, je réponse. Savais que je m'étais trompée. Oui, oui, nous t'écoutons. Moi, je dirais la A, moi. Selon Oui, Oui, Wayside, Elantia a annoncé les lives Twitch le 8 février 2021. Et il s'agit... J'ai pas cliqué. Du coup... Oui. Bravo. Merci. Oui, qui continue à prendre de l'avance. Mais tout est encore faisable, Plumbo. Question numéro 8. Combien Elantia a-t-elle de catégories de points de chaîne au total ? Réponse A, une vingtaine. Réponse B, une trentaine. Réponse C, une quarantaine. Réponse D, 55 000. Et là, le suspense. Et c'est Oui Oui qui prend la main. Je vais y aller. Là, depuis tout à l'heure, il n'y a jamais la B. Et moi, j'aime bien la B depuis tout à l'heure. Donc au bout d'un moment, ça va tomber. Alors je vais dire B. C'est oui. Jamais. Sûrement oui, oui. Ça passe. Il y aurait une trentaine de catégories de points de chaîne. Bravo. Je pensais que c'était vers là, mais j'ai... Voilà, un peu de chance aussi. Vraiment beaucoup de chance en vrai. Je commence à me demander si c'est pas Oui Oui en fait qui a révisé et pas... Non mais... Moi je lui mets souvent le gage. Moi je veux faire des... Je veux des pompettes. Donc, tu vois, au bout d'un moment, je joue souvent le truc. De récompense. Donc, pap, je vois, il y en a pas mal. Trentaine, allez, c'est bon, ça paraît. Question numéro 9. Dans quel jeu Elantia a-t-elle fait le plus de victimes? Réponse A, Detroit Become Human. Réponse B, The Carry. Réponse C, The Dark Picture, Devil in Me. Réponse D, dans tous, c'est une noob. Et c'est Oui Oui qui a pris la parole. J'ai envie de mettre la D juste pour le fait. Vraiment, je mets la D juste pour le fait. Personne a buzzé là, si? Si, t'as buzzé? Ah, si. Pardon. Oui, oui, a buzzé. J'ai même. Non? Ouais, non, vas-y, je buzz, vas-y, c'est bon, ça me va. Je vais juste pour le fun et je lui fais un gros bisou, je lui dis la réponse D. Ah, c'est la réponse D. La pile un petit raclette, ouais, j'aime bien la DC. Hélas! C'est une mauvaise réponse! Dommage. Même si. Techniquement. On est d'accord qu'il y a un petit demi-point, je pense. Demi-point quand même, déjà. Il y a un petit peu. Un quart de point. Plumbo, nous t'écoutons. The Dark Picture, la réponse C. Plumbo valide la réponse The Dark Picture, Devil in Me. Et c'est une mauvaise réponse. Oui, oui, Westside, nous t'écoutons pour la dernière réponse. Ah, on peut continuer. Ah, je pensais que c'était fini, moi je... Ok. Bah, je l'ai même pas vu faire des trop comme Human. Je veux dire, c'est Quarry, moi. Oui, oui, Westside, réponse. C'est B, en plus, réponse B. Moi, j'adore la réponse B, tu connais. The Kawi. Et c'est une mauvaise réponse. Quelle réponse, en fait? Plumbo Blast. Mais du coup, à ton avis, on se demande bien là. Bah là, je sais pas trop, j'avoue. Quelle est la bonne réponse? Bah, je pense que c'est la réponse A, mais je suis pas sûr, hein.
Selon toi, il s'agirait de Detroit Become Human ? Peut-être. J'ai un doute, je vais pas vous mentir. Ah, mais elle est très forte, c'est sûr, c'est ça. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo. Incroyable, mon Dieu. Je m'y attendais pas. Petit extra vidéo. Extra vidéo, d'ailleurs. Extra vidéo. Je pensais même pas qu'il y avait assez de robots pour... Ah. Je t'inquiète. Déguisement, en plus, à chaque fois. Mais j'ai fait quoi qui allait pas, là ? Connard ! Y'a Connard ! My God ! Il est mort combien de fois, le pauvre ? Putain, j'en suis sûre, vous le saviez, Shiro. Shiro, sale troll ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Je l'ai pas tué ! Yes ! Yes ! Non, meurs pas ! Pitié de la mort ! Non ! Non ! Marcus, il est mort ! Comment je fais pour le pécho, maintenant ? Allez, fiche le camp ! Elle non. A tué tout le monde, en fait. Prends-lui l'arme. Mais bon, normalement, dans les trucs communs, il y a pas boom, beaucoup vous allez acteurs, voir. En fait. Je sais pas qu'ils pouvaient dépasser le nombre. Pas par accroyer où il y en a plus. Mais elle est trop forte, par accroyer. C'est impossible, est possible avec. Non ! C'est pas il y a Luther possible. Tout est possible, tout est possible. Même la dette est possible. Non ! Putain. Non! On va crever comme ça, là, dans la chambre à gaz. Vraiment, réellement. Non, non, j'arrête. Ok, bon! Eh ben, menu principal, confirmé. On se retrouve avec la 10e question. Elantia et... Point d'interrogation. Réponse A, le pseudo du Noob de France. Réponse B, le nom d'une salle de sport. Réponse C, réponse A et B. Réponse D, qui est cet chouin ? Et c'est Oui qui a buzzé. Nous t'écoutons. Ah bah du coup, j'allais dire B de base, mais là C, du coup, elle est bonne aussi, je trouve. Tu veux dire ce que tu valides ? Je sais pas si vous avez joué sur... Comment... Bah je dirais la C, alors. Pour le troll, je pense que vous êtes du genre... c'est pas mal, j'aime bien la C. Non, oui, la C. Valide, la réponse C. Et c'est effectivement une bonne réponse, Elantia 27. Merci. C'est Elantia sur les réseaux. Oui. Mais Elantia, c'est également le nom d'une chaîne salle de sport. Donc, j'ai même la ref. Un point supplémentaire. D'où ça vient Elantia en plus. J'avoue, j'ai révisé. Ah oui, mais t'as vraiment révisé, ouais, là, t'as... Attends. Là, on n'est pas là, quoi. Genre t'es capable de répondre à ça, je suis sûr. Enfin, on se retrouve pour la 11e question. Il s'agit également de la dernière question de cette manche numéro 2. Nous savons déjà le gagnant, malheureusement. Enfin, voilà, nous connaissons déjà le gagnant. Oui. Mais nous allons quand même faire... oui, la dernière. Nous allons quand même faire la dernière question. Exactement. Pour il est malin. La dernière question pour le fun. Question numéro 11. Dans quel déguisement Elantia a-t-elle joué à Outlast la première fois ? Réponse A, poulet avec une voix aiguë. Réponse B, mage avec une voix grave. Réponse C, pastèque avec une voix chantonnante robotisée. Ou réponse D, Adawish avec une voix de téléphone rose. Lumbo, je t'invite à aller prendre la parole. Eh ben, moi je dirais la réponse D. La réponse D pour toi ? Ouais, je pense. C'est hélas une mauvaise réponse. Est-ce que Westside a une idée ? Vas-y, je vais dire la B. C'est donc Westside. C'est B, toujours B. Faut il s'agit de Marge avec une voix grave. Il a suivi le prototype de la réponse B à toutes les réponses. B, voilà. Et apparemment, il est rentré dans la tête de Elantia parce que c'est là qu'il y a une bonne réponse. C'est B tout le temps. C'est Marge avec une voix grave. Et on a d'ailleurs un petit extrait pour découvrir ça. Entre le look et la voix, c'est parfait. 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 Ah. Bonsoir. 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 C'est pas dingue. Gaga.
Daidai, tu vas te calmer la moula. Hein. Va falloir se calmer la moula, Daidai. Hein. Ah non, 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 non. 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 Putain, elle remet tout en place. Et voilà, vous l'aurez donc compris, c'est Oui Oui Westside qui remporte cette première édition de Qui veut gagner des pastèques. Bravo. Félicitations à toi. Plumbo n'a pas démérité, mais c'est vrai que Oui Oui a été plus rapide. Hélas, GG à vous deux, vraiment. Félicitations à vous deux, parce que vous avez quand même atteint tous les deux la manche numéro 2. Ouais, et moi, je tiens également à remercier Elantia de m'avoir fait confiance pour cette petite émission. Ça m'a fait très plaisir de participer. Merci à toi, Max. T'as géré. T'as vraiment géré. Au top. Et merci pour l'invitation aussi. Et je remercie aussi Plumbo qui n'était pas au top au niveau santé qui a pu venir. C'est super adorable de ta part. Merci d'avoir participé à tous. Vous avez fait du très bon travail, sauf une certaine équipe. Et bon, je te serai le nom. Tu vas te calmer, Jackie, ou je vais te défoncer. Voilà. Bon. Et bah, du coup, c'est Oui Oui qui remporte la carte Jacques cadeau. Poignardé. De 20 euros et, bravo, bravo. Et des pastèques plastiques. Je te les offrirai la semaine prochaine. Live, hein. Bah, tu gagnes mes pastèques, Oui Oui, et avec un petit carte. Let's go. Voilà. Moi, bah, du coup, je rends l'appel et le contrôle à Elantia. Tu peux remettre le petit générique si tu veux. Fatigué, et c'est reparti pour le générique. Merci à tous. Merci. Merci. C'est trop cool.